Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue aux personnes aussi qui sont en web diffusion. Donc, excusez-moi. Donc, c'est un réel plaisir de vous accueillir en grand nombre à l'occasion de cette activité de transfert des connaissances. Donc, je vous souhaite la bienvenue au nom du Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, et au nom du ministère de la Santé et des Services sociaux, tous deux partenaires dans ce programme des actions concertées sur la thématique de la violence conjugale. Le FRQSC tient donc à remercier le ministère qui reconnaît l'importance de la recherche pour éclairer les décisions et les actions. Dans le cadre du programme des actions concertées du FRQSC, nous avons collaboré avec le ministère à diverses thématiques dans le passé. Et depuis 2014, donc, sur la thématique de la violence conjugale. Pardon, je me présente, je suis Geneviève Godbout, je suis responsable de programme au Fonds de recherche Société et Culture. Donc, j'animerai au meilleur de mes capacités, donc, cette rencontre. Et vous êtes nombreux en présence à Québec, mais aussi très nombreux en web diffusion. Et en fait, on avait au-delà d'une centaine de personnes d'inscrites. Et vous êtes donc intervenants, intervenantes, infirmières, travailleurs sociaux, agents de libération, professeurs, chercheurs, étudiants, étudiantes dans les milieux d'accueil, maisons d'hébergement, des CLSC, les CIUS également dans les ministères et organismes, et ce, de plusieurs régions au Québec jusqu'à la baie James. Bienvenue. Alors, nous sommes d'avis qu'autant de personnes présentes est une indication claire que le sujet d'aujourd'hui et les résultats des projets de recherche présentés vous interpellent et répondent à un besoin. Je suis accompagnée à distance donc de ma collègue Gabriella Birsan, qui est à Montréal et qui est technicienne aux communications au FRQ, avec qui j'ai pu collaborer pour l'organisation de cette rencontre. Donc, Madame Birsan a été en contact avec certains d'entre vous, plusieurs d'entre vous, et vous sollicitera tous donc à la suite de notre activité, afin de répondre à un bref sondage et vous communiquer le lien menant au rapport de recherche dans le site web du Fonds, ainsi que le lien vers la captation vidéo de la présentation. Donc, au moment où vous aurez accès à ce lien, et c'est à vous donc de pouvoir le diffuser à plus grande échelle auprès de vos partenaires, collaborateurs, dans vos milieux. Alors, quelques mots sur le programme des actions concertées au FRQSC pour ceux et celles qui sont moins familiers avec la mission de notre organisme. Et celle-ci est notamment de promouvoir et d'aider financièrement le développement de la recherche dans les secteurs des sciences sociales et humaines, des arts et des lettres. Et le Fonds met en place des dispositifs rigoureux afin d'octroyer des bourses et des subventions de recherche aux meilleures étudiantes et étudiants, chercheuses et chercheurs du Québec. En se tournant vers le Fonds de recherche, nos partenaires s'assurent de la rigueur et de l'impartialité du processus d'attribution des subventions, de même que de la qualité scientifique des projets financés. Dans le cadre du programme Action concertée, nous partons donc des besoins des partenaires utilisateurs des résultats, ce qui permet de produire des recherches directement en lien avec les besoins exprimés, les besoins du milieu, des milieux donc concernés. Enfin, les partenaires s'inscrivant dans le programme des actions concertées adhèrent à deux principes centraux pour le fonds, soit la liberté académique et l'accès public aux résultats des projets financés. Donc, c'est à la suite du lancement d'un appel de proposition en 2014, invitant la communauté scientifique à répondre aux besoins et préoccupations exprimées dans cet appel, en fait, qui était le premier appel de proposition sur cette thématique, suivi d'un processus d'évaluation rigoureux que les chercheuses et chercheurs, donc, et leur équipe respective, pour quatre projets de recherche, ont été choisis pour mener à bien ces projets soumis. Ce sont les résultats de trois projets de recherche financés dans le cadre de ce programme qui sont présentés aujourd'hui. Et donc, je veux quand même vous les nommer. Je ne ferai pas de résumé ici. Le temps est quand même compté. Donc, dans l'ordre, évidemment, des présentations, Suzanne Léveillé de l'UQTR, donc l'Université du Québec à Trois-Rivières, Mylène Fernet de l'Université du Québec à Montréal et Geneviève Lessard de l'Université de Laval.
Donc, présenterons dans cet ordre. Alors, on va tenter de suivre l'ordre du jour que vous avez pour la plupart tous reçu, je l'espère. Alors, un mot quand même sur des éléments techniques, simplement pour vous dire que nous avons, chaque présentation est d'une durée de 30 minutes et qu'elle est suivie, donc qu'elles sont suivies d'une période de questions de 10 à 15 minutes. Alors, je voudrais remercier Félicité Godbout, qui prend le rôle de modératrice donc pour cette période de questions pour les gens en clavardage, donc qui peuvent transmettre leurs questions et qui pourra donc les relayer aux personnes qui présentent aux chercheuses et aux membres de leur équipe, membres présents. Madame Félicité Godbout est au secrétariat à la condition féminine. Merci beaucoup. Et voilà, c'est une période de questions là, qui permet à tous de soumettre des questions en temps réel et vous pouvez, tout au long des présentations, formuler ces questions pour qu'on puisse utiliser le temps à bon escient. Donc, je vous invite à garder en tête tout au long de la présentation ce qui vous interpelle. Voilà, alors je pense que j'ai fait le tour et pour les gens aussi toujours en web, n'hésitez pas à mentionner s'il y a des problèmes peut-être d'ordre technique. On pourra les communiquer à notre collaborateur Jean-Christophe pour apporter les corrections, ne serait-ce qu'une question de son. Alors je vais d'abord céder la parole à Madame Suzanne Léveillé, bonjour, et donc qui le titre du projet « Violence conjugale et séparation ». À vous la parole. Merci. Alors, merci beaucoup de cette opportunité de présenter nos résultats de recherche. Merci aussi beaucoup au fonds de recherche sans qui cette recherche n'aurait pu avoir lieu. Alors, oui, le projet s'intitule « Violence conjugale et séparation, intervenir pour diminuer le risque de comportement de plus en plus violent ». Alors, je vais me présenter brièvement. Ensuite, je vais présenter mon collaborateur, David Guillemette. Moi, je suis Suzanne Léveillé, professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et aussi, je suis psychologue de formation. Je travaille sur les violences intrafamiliales depuis les années, je vous dirais, 90. Et je travaille aussi à titre de collaboratrice avec différents organismes communautaires dans la région de Trois-Rivières et de Joliette. Et je suis en compagnie de David Guillemette, qui est coordonnateur de l'équipe, qui va aider aujourd'hui à répondre aux questions. Alors, je vais vous le présenter. Je ne sais pas s'il veut dire un petit mot. Bonjour, mon nom est David Guillemette, je suis doctorant en travail social, donc j'étais coordinateur sur cette recherche-là. Merci, Suzanne. Alors, on va commencer tout de suite la présentation. Alors, dans un premier temps, présentation de l'équipe de recherche, parce qu'une action concertée, ça ne peut pas se faire seul. Il y a une équipe quand même assez complète. Alors, je vais vous présenter, et en les remerciant aussi en débutant, le contexte théorique, la recherche-action, et ensuite les résultats, le programme qui en est ressorti. On a quelques copies du document, d'ailleurs, ici, et qu'on va aussi diffuser de plus en plus, les résultats, recommandations, et prochaine étape, échange et discussion, vos questions, certainement. Après. Alors, l'équipe de recherche, en fait, notre équipe était composée de chercheurs dans le domaine, d'experts. Je les avais sur l'écran, le coordonnateur de l'équipe, des collaborateurs, des milieux de pratique de Trois-Rivières et aussi au cœur de l'île de Joliette et aussi le responsable d'Accueur d'hommes, le réseau d'hommes d'aide aux hommes pour une société sans violence. Ensuite, bien sûr, des collaborateurs provenant de la détention à Trois-Rivières, de la probation, d'une maison aussi de transition, la maison Radisson et le service de police de Trois-Rivières. Donc, c'est une recherche-action bien ancrée dans la communauté et de Trois-Rivières et des environs. Et bien sûr, le Fonds de recherche du Québec, Société Culture. Alors, la mise en contexte du projet, donc violence conjugale et séparation, intervenir pour diminuer le risque de comportement de plus en plus violent. En fait, notre objectif partait de développer, implanter et évaluer une intervention portant sur la séparation conjugale auprès d'hommes à risque de passage à l'acte violent en contexte de séparation. Vous verrez au fur et à mesure de la présentation comment la séparation, la rupture amoureuse est un déclencheur important de
toutes sortes de comportements de violence conjugale et aussi d'homicide intrafamilial. Et ça s'inscrivait dès le départ, ce projet de recherche-action, dans la continuité des travaux du comité d'experts sur les homicides intrafamiliaux qui avait été mené en 2012 par ce comité. Alors, notre contexte théorique, c'est sûr, on commence un contexte théorique, on ne peut pas s'empêcher de penser à des femmes qui ont été tuées. On a comme quand même mis quelques noms, donc de femmes tuées chaque année. Vous verrez quelques chiffres tantôt, autour de 13 à 14 cas d'homicide de femmes par année sur le territoire de la province de Québec, et en contexte de séparation, donc la fréquence en contexte de séparation des femmes, de jeunes femmes et de différentes régions au travers le Québec. Donc, notre contexte théorique, donc afin de prévenir les comportements violents au sein de la famille, reconnaître l'ampleur du phénomène, identifier les sous-types de violences intrafamiliales, connaître les déclencheurs et la séparation amoureuse en est une, les caractéristiques situationnelles, criminologiques et sociales, et bien sûr, connaître les enjeux psychologiques. Donc, il y a comme des facteurs psychologiques, mais aussi des facteurs de contexte, de déclencheurs criminologiques et sociaux. Donc, une approche multidisciplinaire nous apparaît des plus nécessaires. Alors, les données tirées des grandes enquêtes canadiennes, donc les victimes de violences conjugales en contexte de séparation, bien sûr, c'est plus souvent des femmes, et autant dans les cas de violences létales que non létales. Lors de la séparation, les femmes sont plus susceptibles de subir des formes de violences graves, incluant des blessures physiques, être agressées, étranglées, menacées avec une arme et être victimes d'un homicide de la part d'un ex-partenaire. La majorité des homicides conjugaux et des familicides, et j'aurais même l'envie de rajouter les filicides dans les homicides d'enfants. Le familicide, c'est l'homicide de l'ensemble de la famille, sont perpétrés par des hommes dans un contexte de séparation, qu'elle soit réelle ou appréhendée. Hein, parfois, on a ajouté le mot appréhendé. Parfois, c'est comme il y a un contexte, une possibilité de séparation, mais la séparation n'a pas eu encore lieu. Donc, et quelques chiffres, 139 cas d'homicides conjugaux dans une période de 10 ans, donc qui nous donne en moyenne 13 cas par année. Et si on regarde plus récemment, donc là, ça tourne autour de entre 11 et 13 cas. Et habituellement, c'est autour de 50 à 60 % des homicides qui sont commis durant une période de séparation, donc soit lors de la séparation ou en processus de séparation qui a lieu durant la dernière année ou bien dans le dernier mois juste avant l'homicide de la personne. Donc, je vous dirais, le 60 % est parfois minimisé parce que c'est sûr, c'est des études de dossier. Hein, par dossier, et parfois l'information n'est pas toujours claire et complète. Donc, le 60 %, je vous dirais, et plus, se situe en contexte de séparation chez les hommes qui commettent des homicides intrafamiliaux. Pourquoi ce déclencheur si fréquent? Donc, c'est sûr qu'on pourrait en parler longuement. Là, j'ai condensé en deux diapos. Donc, qu'est-ce qui fait que ce déclencheur est si fréquent pour les hommes? Différent aussi des homicides commis par les femmes. Donc, les émotions entourant la perte ne sont pas élaborées. La personne vit une rage qu'elle n'arrive pas à élaborer sur un plan psychologique, évitement de la détresse par l'agir et le contrôle de l'autre. En l'homicide et la violence conjugale, c'est à quelque part un contrôle de l'autre, de l'ex-partenaire, qui permet de soulager la tension pour un temps. La séparation affecterait plus les personnes qui présentent des fragilités de la personnalité. Donc, et quelques éléments importants, il y a des gens qui sont aux prises avec des angoisses particulières d'abandon, des propensions au contrôle relationnel dans des moments de stress et de séparation. L'évitement des émotions, bien sûr, est un facteur important. Donc, l'alexithymie, donc des gens, des hommes en particulier, auteurs de violences conjugales, sont particulièrement aux prises avec des difficultés à identifier et à exprimer leurs émotions, évitent les affects dépressifs reliés à la perte par le contrôle de l'autre, et beaucoup d'entre eux sont présentent de l'impulsivité. Donc, contrôle de l'autre versus la perte de contrôle de leur propre comportement.
Donc, les facteurs. Donc, je vous ai parlé un peu de facteurs psychologiques. Maintenant, bien sûr, au Canada, la majorité des homicides perpétrés par un ex-conjoint sont précédés d'antécédents de violence conjugale connus. Les relations intimes marquées par la présence d'une dynamique de violence et de contrôle de la partenaire sont particulièrement à risque. Et les femmes qui désirent mettre un terme à une relation marquée par le contrôle et par la violence font souvent face à l'escalade de moyens utilisés par le partenaire pour maintenir l'emprise sur la relation, harcèlement, surveillance, menace, etc. C'est sûr que je vous parlais de filicide et de familicide tantôt. C'est sûr, la présence d'enfants et la possibilité de contact après la séparation. Je vous dirais la possibilité et parfois l'obligation de contact après la séparation. Donc, les personnes ayant un enfant avec un ex-conjoint sont plus susceptibles d'être victimes de la violence de la part d'un ex-conjoint comparativement aux couples sans enfants. Le risque de violence conjugale en contexte de séparation est accru lorsque les ex-conjoints demeurent en contact à la suite de la séparation, souvent en raison des arrangements liés à la garde des enfants. Donc, les contacts liés à l'échange de garde des enfants sont des moments particulièrement propices aux abus, à la violence envers les femmes et les enfants. Et je vous dirais, je serais portée à rajouter aussi les conflits entourant la garde du ou des enfants qui perdurent dans le temps, qui ne diminue pas au fur et à mesure des enjeux de garde, mais qui perdure, reste un facteur de risque important des filicides, donc de l'homicide d'un ou de plusieurs enfants. Autre facteur, je l'ai mentionné quand même tantôt, c'est important, donc les terrains propices, les gens qui sont atteints de difficultés ou de troubles ou traits de la personnalité, donc les hommes qui vivent une intense angoisse d'abandon et des traits reliés au clivage, hein, la conjointe ou l'ex-conjointe qui devient la toute mauvaise, qui humilie, l'instabilité émotive, l'autodestruction et la colère intense, difficile à contrôler. Donc, le terrain propice de personnalité et ensuite les facteurs sociaux, criminologiques, etc. C'est sûr que toute la question de la consommation abusive d'alcool et de drogue est un facteur à relever et souvent surtout un facteur qui agit en tant que désinhibiteur des comportements violents. Donc, les autres facteurs associés, quand même importants, les comportements autodestructeurs. Donc, le pourcentage de suicides ou d'autodestruction est quand même élevé chez les hommes auteurs d'un homicide conjugal ou d'un filicide, donc de 30 à 40 %. Et souvent, l'autodestruction est associée à des comportements de plus en plus violents. Donc, plus il y a de menaces suicidaires, plus le risque de comportement hautement agressif et violent, et c'est quand même corrélé les deux variables, donc autodestruction et violence conjugale. Bien sûr, l'accès à une arme à feu, donc dans 32 % des homicides perpétrés par des ex-conjoints masculins, c'est des victimes de sexe féminin, et souvent avec arme à feu, là, dans 32 % des cas, et les antécédents criminels connus, en contexte de violence conjugale, donc autour de 23,7%. Bien sûr, les programmes d'intervention maintenant. Donc, c'est sûr, quand on a commencé notre projet, on a fait le tour de la littérature, voir ce qui existait, ce qui existe aussi comme programme d'intervention pour les auteurs de violences conjugales. Et bref historique, c'est sûr que l'apparition des programmes de traitement pour les conjoints violents ont débuté dans les années 80 au Québec. Et c'est en 82, en fait, qu'un premier organisme a vu le jour. La plupart des organismes communautaires offrent des services et regroupés sous l'association d'accueil d'hommes qui compte une trentaine de membres et habituellement autour de 8000 demandes d'aide par année, dont près de 30 % sont dans un contexte de rupture d'union et j'aurais l'impression même que ça pourrait être plus que 30 %. Donc, on pourrait revoir ce chiffre-là, mais ça reste quand même 30 % qui est documenté par ces organismes.
Les programmes offerts varient d'un organisme à un autre et le groupe, c'est la modalité d'intervention la plus répandue. La durée du traitement dure en moyenne de 20 à 25 rencontres. C'est des programmes de traitement. Et vous verrez tantôt, notre programme n'est pas un programme de traitement, mais un programme de sensibilisation. Donc, j'y arrive là dans un peu de temps. Alors, notre contexte théorique, donc, c'est sûr que bien que plusieurs de ces organismes possèdent également un volet homme en difficulté, que les besoins des conjoints auteurs de violences conjugales sont confrontés à la séparation, et c'est pris en ligne de compte, mais aucun programme s'adresse spécifiquement à la violence conjugale et à la séparation, spécifiquement, et aucune recherche, surtout, portait sur ce type précis de programme dans la littérature scientifique disponible, donnant des données reconnues sur un plan, sur une base scientifique. Alors, la recherche action. Donc, j'arrive au cœur de notre programme. Alors, les objectifs, trois volets. Donc, de développer le programme, d'implanter et d'évaluer l'intervention qui porte sur la séparation conjugale auprès d'hommes qui sont à risque de passage à l'acte violent en contexte de séparation. Donc, on va vous détailler les trois volets, l'élaboration, l'implantation et ensuite l'évaluation de l'intervention. Alors, au départ, dans notre volet d'élaboration de l'intervention, on a fait bien sûr le relevé de la littérature et des focus groupes, donc les entrevues de groupe avec nos experts, dont vous avez vu les noms au tout début dans la première diapositive. Donc, 5 entrevues de groupe avec des experts québécois, autant des experts chercheurs que des experts et des personnes qui travaillent directement sur le terrain dans des organismes communautaires, donc pour monter et développer l'intervention qui a été réalisée là, entre octobre 2015 et octobre 2016. Ensuite, on a développé le programme qui est de promouvoir l'adoption de comportements pacifiques en contexte de séparation par la participation à des ateliers de sensibilisation en groupe et à des rencontres d'accompagnement individuel avec des professionnels, des ressources spécialisées pour hommes. En fait, nous, notre programme, c'était de sensibiliser et d'informer et aussi d'aider les hommes à reconnaître un peu plus leur comportement pour qu'ils puissent ensuite consulter dans des programmes de traitement et d'aide thérapeutique. Donc, le programme est beaucoup plus psychoéducatif de sensibilisation. Donc, informer sur la séparation, sensibiliser les participants aux différentes formes de violence conjugale et familiale et à l'impact de la séparation sur la violence au sein du couple et d'informer les gens des diverses ressources d'aide existantes, ainsi favoriser la demande d'aide. Et vous verrez un peu plus loin, beaucoup d'hommes hésitent à consulter dans des organismes pour hommes violents. Donc, c'était un peu pour créer cette ouverture chez ces personnes réticentes à consulter. Alors là, justement, on arrive à la clientèle visée, les participants de 18 ans et plus qui vivent une séparation réelle appréhendée et qui remplissent l'un des critères suivants, antécédents en matière de violence conjugale, ont fait l'objet d'une plainte pour violence conjugale ou sont à risque. On a élargi quand même un peu nos critères à risque de faire un passage à l'acte violent en contexte de séparation, tel qu'indiqué par des acteurs du milieu concerné. On voulait aussi atteindre des gens qui ne consultent pas d'emblée, donc qui sont réticents déjà. Donc, vous verrez dans notre modalité de recrutement comment on s'y est pris et comment c'était pas évident de recruter, étant donné que c'est une clientèle déjà réticente à consulter. Les gens qui consultent, ben ils consultent, mais nous, on voulait atteindre une clientèle plus à risque et réticente à consulter. Alors, notre programme, le format du programme, en fait, une première rencontre individuelle est toujours menée par deux intervenants, dont un intervenant qui est d'expérience, donc un intervenant chevronné dans le domaine des violences intrafamiliales et conjugales, et un assistant de recherche, donc une personne avec moins d'expérience, mais il nous fallait une personne d'expérience qui faisait l'ensemble du programme avec les personnes. Donc, rencontre individuelle, l'atelier séparation, l'atelier violence conjugale et la dernière rencontre individuelle, ça permettait aussi à chacun des participants
de notre groupe de rencontrer un intervenant chevronné dans le domaine pour déjà créer une forme de lien avec un intervenant, pour qu'éventuellement la personne puisse se décider à consulter étant donné les difficultés présentées. Alors, le recrutement, donc quatre groupes ont été mis, donc l'implantation en fait, quatre groupes ont été mis sur pied et expérimentés. Donc, on a étalé notre recrutement, on a travaillé fort, là, vous pourrez, espérant qu'il y aura des questions là, sur cet élément-là. Donc, trois groupes qui impliquaient des participants en détention, donc de l'établissement de détention de Trois-Rivières et en collaboration serrée avec l'Accord Mauricie, qui est un organisme qui vient en aide aux hommes auteurs de violences conjugales, et l'organisme aussi Joliette, neuf participants qui vivaient dans la communauté. Donc, on a été en milieu de détention et dans la communauté. Et dans la communauté, c'était le centre d'aide pour hommes de la Naudière, là, de l'organisme CAO. Alors, nos 24 hommes ont accepté de participer au programme, donc 63 % en contexte de détention, 38 % dans un organisme communautaire. Quelques données sociodémographiques, donc 52 % célibataires, 48 % en couple. La majorité avait des enfants, donc je pense que 88 % est quand même important, donc qui avec une possibilité d'échange de garde, de contact avec une ex-conjointe, métier d'ouvrier de type ouvriers, séparation récente, craignent la séparation imminente ou ont vécu une séparation difficile il y a quelques temps. Alors, on a, pour quand on a évalué l'intervention, quelques outils de collecte de données. On a voulu prendre des outils très courts pour ne pas que ça devienne trop lourd comme expérimentation. Donc, c'est sûr, les données sociodémographiques, on avait un questionnaire qui était plus qui répertoriait les difficultés, les événements de vie difficiles de la personne, les attitudes et croyances face à la violence conjugale, un questionnaire sur les attitudes face à la demande d'aide et un indice de détresse psychologique. Donc, on a passé à tous les hommes qui ont participé ces instruments avant le programme et après. Mais c'est sûr que le temps était tellement court entre le temps 1 et le temps 2, on n'espérait pas tant avoir de différences significatives, mais on a quand même fait l'exercice de passer les tests en temps 1 et en temps 2. Alors, c'est sûr qu'on a fait une première étape de faire l'expérimentation et ensuite, avec notre groupe d'experts, on a réévalué notre manuel, réajusté. Donc, les résultats de l'intervention ont été exposés aux intervenants dans un double objectif. D'une part, de partager l'expérience de l'intervention et proposer des ajustements, voir si le programme, comment fonctionnait en fait le programme, comment les hommes y réagissaient. Donc, les hommes en détention ou à l'extérieur. Donc, le manuel qui est finalisé là, présentement a été retravaillé en tenant compte des résultats de l'évaluation et des commentaires de nos participants, chercheurs et collaborateurs des milieux de pratique. Quelques résultats maintenant. Donc, c'est sûr que la séparation est un moment charnière. Donc, ça, c'est clair, c'était mentionné du début. Les participants au programme avaient fait des violences autant psychologiques, physiques, envers les objets économiques. Et je vous dirais, dans le dernier encadré bleu, toute la question de la cyberviolence, que ce soit via Facebook, caméra de surveillance, donc des moyens très, très quand même et vaste de violences conjugales, donc séparation, logiciel espion dans les par Internet, tout ça. Donc, on avait quand même un éventail de types de violences conjugales commis par les participants qui ont participé à notre programme. Au-delà de la violence conjugale, bien sûr, se cache une détresse importante et bien réelle. Ça ne justifie aucunement, bien sûr, la violence conjugale, mais en dessous de ces comportements de contrôle et de violence conjugale, les hommes restent quand même dans un moment de vulnérabilité et de détresse quand ils font face à la séparation. Un de nos participants dans l'encadré bleu en haut, participants intervenants, nos collaborateurs de milieu de pratique,
Je vais vous lire le verbatim de ce qu'il nous, nous disait dans, nos, dans le cadre de nos focus groups. C'est quelqu'un d'expérience là, qui a plusieurs années d'expérience. Il disait « Ceux que je perçois qui sont le plus en détresse en lien avec la séparation et les enjeux juridiques, c'est ceux qui en sont à leur première condamnation. » Ils savent pas ce qui leur attend. Est-ce qu'ils vont perdre leur emploi? Ils ruminent, ne dorment plus. Et là, la colère est dirigée vers celle qu'ils considèrent comme la source de leur problème. L'ex-conjointe, bien sûr. Donc, le problème est interne, mais est externe, mis sur celle qu'ils considèrent la source de leur problème. Donc, c'est sûr, l'indice de détresse psychologique est élevé chez ces hommes. 83 % des participants présentaient un niveau de détresse psychologique élevé au moment de la première entrevue et les événements de vie étaient quand même significatifs et les stresseurs principaux portaient sur la sphère conjugale, sociale et familiale. Au-delà des comportements de détresse, les auteurs de violences conjugales qui sont confrontés à la séparation font face à l'arrestation ou en tout cas des plaintes portées contre eux, des conséquences économiques, des pertes. Hein, la perte de la conjointe, la perte d'emploi, la perte de la maison, les enfants, donc suscite souvent une très forte colère. Détresse et colère étant très, très liées et un ensemble de pertes, bien sûr, avec des démarches judiciaires assez ardues. Aussi, les entrevues de groupe avec les experts québécois, donc c'est sûr, la démarche de 20 à 30 rencontres dans des organismes font très peur à certains hommes. Donc, c'est sûr, quand ils n'ont jamais consulté auparavant, ce qu'on voulait par nos ateliers de sensibilisation, c'est susciter la demande d'aide. Un peu une genre de bougie d'allumage, de dire oui, il y a quelque chose qui ne va pas, je vais consulter. Et je vais connaître aussi un intervenant qui va, avec qui je vais avoir un petit lien de confiance, qui va peut-être susciter une plus grande ouverture à la demande d'aide. C'était un de nos résultats attendus, là, si on veut. Je vais aller ici. C'est sûr que les participants, le programme offert aux organismes reste un outil additionnel et ce qu'on est arrivé à constater, c'est que 20 % ont fait la demande d'aide dans un organisme par la suite. Les gens en détention qui ressortaient justement de la détention ont consulté dans les faits. 40 % ont mentionné vouloir avoir accès à des services d'aide dans des centres, par le centre de détention ou par des services spécialisés en toxicomanie, ont voulu consulter des services psychosociaux à leur sortie de détention et 13 ont mentionné qu'ils n'avaient pas l'intention de consulter et un seul a abandonné justement le programme pour des raisons autres. Donc, sur nos 15 participants, quand même, le souhait de consulter était quand même présent. Chez ces, on pourra en discuter si vous voulez avec les questions supplémentaires que vous aurez. Les participants au programme par l'organisme KO, donc 9 hommes, donc 89 % des participants ont complété le programme au complet. Donc c'est sûr que les gens ont fait les ateliers et ensuite 89 % des participants ont poursuivi. Le taux hein, de participation et d'attrition est quand même assez élevé. Donc, quand même, on voit que les gens ont continué ensuite dans le programme de 20 à 30 rencontres par la suite. Voilà. Donc, le programme offre aux organismes en violence conjugale un outil additionnel, répondre aux besoins spécifiques d'une partie de la clientèle, autant pour aider les hommes à un peu plus connaître leur point de sensibilité, un peu plus prendre conscience de leurs difficultés entourant la séparation et les comportements violents, une meilleure connaissance de soi, mais surtout un désir accru de consulter. C'est un petit peu plus ça, la sensibilité pour nous qui est important, avoir quelques conseils des intervenants, avoir une possibilité aussi d'identifier un intervenant pour pouvoir éventuellement aller dans un groupe d'aide pour conjoints violents.
Les recommandations et les conclusions, en fait, donc implanter le programme Mieux vivre la séparation sans violence dans des organismes offrant des services aux hommes pour violence conjugale, la formation dans les services aux premières lignes, c'est sûr que notre souhait est de l'implanter dans des milieux, pas nécessairement des milieux où il y a de l'aide aux conjoints violents, mais dans des milieux où il y a justement des hommes qui seraient réticents à consulter, sensibiliser aussi les jeunes hommes aux enjeux liés à la séparation conjugale et à la violence conjugale, intervenir auprès des hommes qui vivent une séparation. Souvent, les hommes qui vivent une séparation n'identifient pas nécessairement leur violence conjugale. Donc, la porte d'entrée par la séparation pour ensuite identifier justement le lien avec la violence conjugale, informer la population générale des liens possibles entre la rupture amoureuse et les risques de comportement violent. C'est sûr, la poursuite des travaux de recherche est essentielle et éventuellement aussi de travailler toute la question de l'autodestruction de la violence conjugale et de la séparation. Et je pense que l'élément de discussion en équipe multidisciplinaire est nécessaire. Je pense que souvent les intervenants, puis peut-être vous aurez des questions là-dessus, travaillent en silo, en chacun dans leur... Et donc développer justement une réflexion, une discussion multidisciplinaire et développer la formation des intervenants pour aider justement à identifier les hommes qui vivent une séparation et qui sont à risque de commettre des comportements de violence conjugale. Alors, on est à la période de questions. Merci oui, beaucoup. Merci pour votre présentation. Oui, alors, peut-être qu'on a déjà effectivement des questions en web. Je vous invite à le faire. Je vous rappelle qu'on a 10 minutes. Et est-ce qu'on a des questions dans la salle pour lancer donc la discussion? Je vais m'approcher. Bonjour, je suis Cathy Mathieu, coordonnatrice de la table Carrefour Violence conjugale Québec Métro. Bonjour, je suis Cathy Mathieu, coordonnatrice de la table Carrefour Violence conjugale Québec Métro. Je me demandais, en tout cas, j'ai pas retenu l'info si vous l'avez mentionné, les gens qui étaient en détention, est-ce que c'est en lien, des crimes en lien avec la violence conjugale ou contre la personne? Oui, tout à fait. C'était lié au comportement violent avec, en toile de fond, la séparation, mais oui, tout à fait, tout à fait. Peut-être ajouter un petit quelque chose qui est intéressant en détention. Notre programme s'appelle Mieux vivre la séparation sans violence, mais on a eu à l'adapter en détention parce que la question de la violence conjugale, ça passe très mal à l'intérieur des centres de détention. Donc, on a appelé le programme Mieux vivre la séparation. Donc, si on avait seulement laissé le programme Mieux vivre la séparation sans violence, on n'aurait pas été capable de recruter aucun participant. Donc, je pense que c'est une des leçons de notre expérimentation là, en détention. C'est sûr que c'est un sujet très sensible. Puis c'est des gars qu'on veut aller chercher. Donc, c'est des gars qui sont à risque à la suite de leur libération. Donc, je pense que ça, c'est une stratégie intéressante qu'on a développée. C'était le même programme qui était donné, 4 rencontres avec un atelier de sensibilisation sur la violence conjugale et un atelier de sensibilisation sur la séparation. Puis, mais c'est ça, on a dû adapter le programme en question juste dans les affiches de recrutement, tout ça. Puis, souvent, quand on demandait aux gars qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans les ateliers, bien, ils nous disaient beaucoup l'atelier sur la séparation. C'est rare qu'on avait des commentaires qui disaient qu'ils appréciaient beaucoup l'atelier sur la violence. En fait. Et voilà. Il y a peut-être des questions en web. Je voudrais peut-être encourager les personnes qui sont en web sur des gens qui sont dans les milieux, les maisons d'hébergement, en clinique, au CLSC, des cas qui peuvent avoir eux-mêmes vécu et voir peut-être leur succès ou des conseils de votre part. Donc, on a une question en ligne. Je vais la lire comme elle est formulée là, d'une façon... personnel. Mon nom est Nathalie Arandena, coordonnatrice du Centre pour femmes immigrantes de Sherbrooke. Je me demandais si votre échantillonnage contient des membres des communautés culturelles. Considérant que certains immigrants ne bénéficient pas de réseaux élargis et que parfois la barrière de la langue fait en sorte que la demande d'aide devient plus difficile, avez-vous considéré cet aspect? Merci.
Malheureusement, c'est dans les hommes qu'on a recrutés, il n'y en avait pas qui étaient issus de communautés culturelles, mais je trouve cette question particulièrement intéressante. Puis, pour nous, ça aurait été intéressant justement d'avoir un échantillon plus diversifié là, à ce sujet-là. Ça nous aurait permis justement d'un peu plus de développer des connaissances par rapport à ça, parce qu'une recherche action, ça nous permet beaucoup de développer l'aspect pratique, mais aussi au niveau des connaissances, tout ça, ça nous alimente toujours beaucoup. Donc, malheureusement, on n'a pas eu cette chance-là. Donc, ça serait peut-être intéressant pour les projets futurs, justement, d'avoir plus une diversité à ce sujet-là pour venir un peu alimenter nos connaissances à ce sujet-là. Oui, merci beaucoup. On a une question dans la salle. Oui, bonjour, Maya Ducasse-Sati, du directeur des poursuites criminelles et pénales. Je me demandais, concernant les personnes qui ont participé, qui étaient détenues, est-ce que vous savez s'ils ont utilisé à la cour le fait qu'ils ont suivi ce programme-là à titre de facteur atténuant ou au niveau d'une enquête sur remise en liberté? C'est une excellente question. Nous, dès le départ, c'était justement, il n'y avait pas d'utilisation justement du programme. Je pense quand même qu'il y a eu des demandes de ce côté-là, bien sûr, mais c'était assez ferme de notre côté que ça ne pouvait pas être utilisé. C'était une des questions de départ aussi quand on expérimentait en détention, pour pas que ce soit utilisé justement pour des fins légales, justement. Merci. On va aller vers la web. Donc, une autre question en ligne, cette fois-ci, c'est Claudine Thibodeau qui est responsable à SOS Violence Conjugale. Donc, a-t-on évalué la récidive des comportements criminels ou non auprès des victimes de ces hommes? Une autre excellente question, il faudrait le faire, là, je pense, pour l'avenir. On n'avait pas la possibilité, justement, de faire cette évaluation-là. Ce qui aurait été vraiment intéressant, ça aurait été de faire une relance après 6 mois ou quelques mois plus tard, mais c'était impossible selon le plan de recherche qu'on avait, mais ce serait vraiment intéressant. Si je peux ajouter quelque chose, c'était pas non plus une recherche qui avait, c'était pas une démarche thérapeutique, c'est-à-dire c'était pas un programme de traitement de la violence conjugale. Donc là, ça aurait été intéressant justement de faire un suivi puis d'évaluer la récidive, comme on se fait beaucoup dans les évaluations de programmes de traitement pour la violence conjugale. Mais vu qu'on avait là un programme de sensibilisation de courte durée qui visait à accrocher les hommes puis à les envoyer vers les organismes pour hommes de traitement, c'était pas l'objectif de la recherche. Ça aurait été très, très, très intéressant, mais ça aurait pris des moyens assez importants aussi pour faire toute cette étude-là, puis ce qui se fait beaucoup déjà dans les études sur les programmes, les évaluations de programmes de traitement de la violence conjugale. Ajout, ce qu'on a quand même vérifié après l'atelier de sensibilisation, comme on l'a mentionné sur les diapos, c'est les gens qui ont consulté dans les faits ensuite à l'accord Mauricie ou leur désir de consulter. On a été quand même en mesure de vérifier cet élément-là. Oui, bonjour, je suis Raymonde Demure du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Bravo, j'étais très intéressée par votre travail. Je me demande quelle suite sera donnée au programme. Est-ce que vous avez des perspectives d'avenir? Est-ce que, je sais que vous faites des recommandations, mais est-ce que le modèle va être raffiné ou réajusté ou diffusé? Est-ce que vous irez sur Internet? Parce que je pense, tout au long de votre présentation, je me disais, il y a peut-être beaucoup d'hommes qui consultent Internet et qui auraient avantage à connaître cette possibilité, du moins changer de vocabulaire, aller les chercher de façon plus personnelle, parce que là, vous procédez par des organismes. C'est sûr qu'on y voit plusieurs suites. Présentement, il y a déjà la détention à Trois-Rivières qui poursuit l'idée d'implanter, de continuer les ateliers de sensibilisation. À l'accord Mauricie, c'est sûr, dans des organismes KO. Mais oui, on voudrait effectivement diffuser pour atteindre le plus grand nombre de personnes possible. Absolument, mais ça, c'est certain que ça vient avec des questions aussi par rapport au financement. Donc, c'est certain qu'on aimerait beaucoup donner suite au programme, notamment pour l'implanter dans les organismes de l'association Cœur d'Homme. On aimerait aussi continuer des recherches futures pour justement continuer à améliorer le programme.
On parlait aussi de sensibiliser les jeunes hommes. Je pense qu'on a des bases intéressantes par rapport à ça. Donc, c'est ça. Mais il y a toujours la question du financement qui peut limiter nos actions. Donc, voilà, j'espère que justement cette recherche-là va servir à amener une sensibilisation par rapport à ça, puis nous aider à continuer un peu à donner vie à ce programme-là. Merci. On a une question. Oui, bonjour, Lucie Lézina du ministère de la Santé et des Services sociaux. Moi, évidemment, je regarde les recommandations. C'est ce qui m'intéresse toujours dans les résultats de recherche. Et j'aimerais vous entendre sur deux recommandations que vous avez formulées pour voir comment vous les verriez se mettre en place. La recommandation 4 de sensibiliser les jeunes hommes, je vais dire comme aux enjeux liés à la séparation conjugale et à la violence conjugale. Dans quel contexte, où les rencontrer, de quelle clientèle vous parlez quand vous parlez des jeunes hommes, qui consultent quel service, etc. Et la recommandation 7, informer la population générale des liens possibles entre la rupture amoureuse et les risques de comportement violent. Ça peut être délicat parce que ça peut des fois plus paniquer les gens. Je ne sais pas de quelle façon donner le message et par quel moyen. Parce que je peux comprendre pour des intervenants, pour les sensibiliser, mais la population en général, quel genre de message vous verriez dans cette sensibilisation-là? C'est sûr, je vais commencer avec la deuxième, la recommandation 7. C'est sûr, la population générale, ça peut être des fois tout simplement des conférences dans divers milieux de travail ou ne serait-ce à l'université, au cégep. Des fois, uniquement une conférence et éventuellement implanter le programme, il faut le budget et tout, comme David a mentionné. Mais je pense que pour la population générale, d'entendre parler que séparation, les sensibiliser à que ça peut susciter des comportements qui pourraient être violents. Comme je vous dis, école, à l'université, dans des milieux de travail, je pense que ce serait très, très positif. Aussi, je crois, dans les CLSC, il y a une clientèle quand même importante de gens qui vivent des crises, des séparations. Je pense que dans des milieux, ça pourrait être aussi très profitable. David? Moi, je pense qu'au niveau des jeunes, je pense que ça passe beaucoup par les nouvelles technologies de l'information, de développer des moyens de les rejoindre. On pense à ceux qui sont plus difficilement rejoignables, les personnes, les petits gars isolés, les adolescents isolés qui passent beaucoup de temps, je sais pas, à jouer aux jeux vidéo en ligne notamment. Donc, il y a de plus en plus de moyens de rejoindre ces jeunes hommes-là. Je pense aussi que ça passe beaucoup par l'information. Donc, informer, nous autres, c'est ce qu'on a fait beaucoup dans le programme, d'informer sur les ressources d'aide existantes. Puis on s'est rendu compte qu'il y a plein de gars qui n'étaient pas au courant que ça existait des organismes pour hommes ou surtout qui vivent une séparation et qui ne savent pas comment dealer avec ça. Donc, ça, c'est, je pense, un des résultats principaux du projet, de comment ça se vit une séparation. On a des gars de 30 ans, 40 ans qui nous ont dit qu'ils n'avaient jamais parlé de ça de leur vie. Donc, je pense que je ne sais pas comment ça se passe maintenant dans les écoles. Je sais qu'il y a beaucoup de sensibilisation qui se fait par rapport à la violence dans les relations amoureuses, mais je pense que ça continue à être un travail important à faire, là, selon moi. Je crois qu'on a encore deux questions. Hein, du côté du web, allons-y. Je vais vous donner deux questions qui se répondent assez rapidement. Est-ce qu'il y a une mesure qui a été prise avant le programme quant à la motivation de ces hommes-là à adhérer à un suivi psychologique par la suite? C'était pas nécessairement l'objectif, parce que dans le fond aussi, on voulait des gens réticents à des suivis psychologiques et les sensibiliser qu'ils puissent éventuellement. On a vu quand même certains résultats, des gens qui ont décidé de consulter, mais non, il n'y avait pas, on tentait d'atteindre des gens déjà réticents en partant. Parfait. Et il y a un organisme en Mauricie qui est le Carrefour Sécurité en violence conjugale. Est-ce qu'il a été mis à profit, collaborateur là, de vos travaux? Selon la mémoire que j'en ai, c'est sûr, notre collaborateur principal était l'accord Mauricie, justement, l'organisme, la détention et l'approbation. Donc, on n'a pas, pour l'instant, eu de contact là, avec cet organisme.
pour ça pourrait être à venir, bien sûr. C'est très ouvert. Est-ce qu'on a une question dans la salle? Donc, on pourrait conclure avec une dernière question en web. Parfait. Vous avez parlé justement avec, en abordant les jeunes de la diffusion possible dans les CLSC. Comment prévoyez-vous maintenant présenter, diffuser le programme dans divers établissements de première ligne, dont les CLSC? Bien, je pense que la première étape, ça sera de développer une formation. Donc, c'est ça notre premier objectif. Là, le principal travail à faire, ça sera d'abord de développer une formation qu'on pourrait diffuser justement dans les services de première ligne, notamment, mais ça serait la prochaine étape du projet de recherche. Voulez-vous compléter? C'est bon comme ça? Il n'y a pas d'autres questions? On est bon pour une autre question. Ouais, profitons-en. Parfait. Alors, considérant que vous avez utilisé un échantillon de détenus, pouvez-vous élaborer sur les retombées possibles d'un tel programme avec d'autres populations d'hommes pour éviter les comportements violents? Puis, monsieur rajoute, qu'en est-il des cas de violence qui seraient davantage mutuels? Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez abordé. C'est sûr qu'on avait quand même une clientèle de détenus, mais il y avait quand même une clientèle d'hommes qui consultaient à l'externe à l'organisme KO à Joliette. Donc, on avait les deux clientèles. Pour ce qui est des types de violences conjugales, mutuelles, on n'a pas évalué cet enjeu-là. On a évalué les types de comportements violents commis par l'individu même qui était incarcéré ou bien qui consultait pour ses problèmes de violence, mais on n'a pas été aussi dans le raffinement des types de violences qui soient mutuelles. Là. Intéressant, mais ça n'a pas été l'objectif. Alors, on doit mettre fin donc à la période de questions. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Guillemette aussi, pour pouvoir poursuivre avec les présentations suivantes. Encore une fois, merci. Deux petites minutes, le temps de faire le changement.
Nous sommes donc de retour et Madame Fernet, Mylène Fernet de l'Université du Québec à Montréal. Et là, on se tourne vers la cyberviolence, n'est-ce pas? Alors, c'est à vous. Merci. Alors, merci de me recevoir aujourd'hui puis de m'offrir cette tribune pour parler des cyberviolences, qui est un sujet que j'affectionne particulièrement pour m'intéresser aux violences dans les relations amoureuses depuis plusieurs années. Ben, en fait, c'est que la cyberintimidation, la cyberviolence est habituellement comme étudiée à part, et les violences dans les relations amoureuses en contexte intime, c'est une autre littérature. Donc, bon, j'en profite pour saluer les membres de mon équipe, donc Martine Hébert, Marie-Marthe Cousineau, Andréanne Lapierre et Geneviève Brodeur qui ont participé de très près à cette étude. Et nous, en fait, on faisait partie de la deuxième cohorte, le deuxième appel d'offres. Et puis, on avait proposé une recension systématique des écrits parce que à l'époque, il nous semblait pertinent de faire le point sur l'état de la situation. Et puis, ça nous a vraiment permis, en fait, cette action concertée de... On s'en allait faire une recension des écrits, c'est ce qu'on a fait, mais ça nous a amené vraiment ailleurs au niveau de l'intervention. Puis ça a été vraiment un levier super intéressant pour toute l'équipe pour développer des outils, pour nous mettre en lien avec des partenaires, puis pour créer des choses, des outils de sensibilisation, beaucoup auprès des ados, jeunes adultes, puis on espère aussi pouvoir percer les milieux de femmes éventuellement, là, ce qu'on a moins réussi à faire là, dans le contexte de ce projet-là. Donc, voici, j'y vais. Donc, quand on a commencé à s'intéresser à cette question, il y avait des gens dans les milieux de pratique, hein, il y avait eu plusieurs cas d'ex-conjoints qui s'étaient pointés dans des ressources d'hébergement, et puis les intervenants savaient pas trop quoi faire avec cette histoire de cyber-violence qui mettait à risque les femmes parce que les conjoints violents, ben, exerçaient un contrôle sur leurs allées et venues, et puis, bon, avec les tablettes, les enfants qui viennent, et un conjoint mal intentionné, un ex-conjoint peut facilement là, continuer à contrôler l'univers de la victime. Et c'est autour de ça que le projet est né. Et puis nous, en fait, on s'intéresse, notre point de départ, c'était mieux de comprendre comment il y avait une utilisation des données électroniques pour traquer ou harceler un ex-partenaire. On parle ici là, d'appels téléphoniques répétitifs, d'envois de courriels, de textos, de publications au sujet de la victime qui sont disséminées à un large auditoire, obtention aussi d'informations privées à partir d'outils en ligne, de comptes ou bien d'outils de géolocalisation, comme je vous parlais un peu précédemment. Bon, à l'époque, les chiffres qu'on avait, bon, il n'y a pas de données représentatives là, à l'échelle du Québec, mais on sait que 21% des adolescentes sont victimes de violences dans le contexte des relations intimes. 30% des femmes adultes subissent des violences et dans 13% des cas, ce sont des violences qui sont exercées en contexte de séparation. On sait aussi qu'aux États-Unis, en 2006, il y avait eu 3,4 millions d'individus qui avaient rapporté avoir été victimes de cyberviolence et 17% d'entre elles avaient une relation intime avec l'auteur de ces comportements violents. Donc, les conséquences sont vraiment dévastatrices hein, pour les victimes parce que ce sont des informations où on n'a vraiment pas le contrôle de ce qui est disséminé, diffusé via les réseaux sociaux. Donc, les technologies sont aussi omniprésentes dans la vie. Le caractère aussi incontrôlable de l'information qui fait en sorte que les victimes en viennent vraiment avoir une
sentiment de perte de contrôle total sur leur vie. Quand on est victime de violences, par exemple, post-séparation dite classique, ben, quand on ferme la porte de chez soi, ça s'arrête. Mais dans le contexte des cyberviolences, ça continue toujours. Et aussi, ben, au niveau de l'intervention, les témoins ont peu de prise sur... Quand on est témoin de cyberviolence, qu'est-ce qu'on peut faire? On a peu de prise, donc moins de prise que, par exemple, lorsqu'on est témoin de violences exercées par un partenaire intime qui sont, disons, plus classiques, là, qui sont exercées face à face. Donc, au plan de la littérature, au moment où on a commencé à s'intéresser à la question, il y avait vraiment beaucoup de limites. Puis vous allez voir que ces limites-là, on les a aussi mises en lumière dans notre recension des écrits. Donc, il y a vraiment une disparité des définitions qui sont utilisées. Plusieurs études n'ont pas de définition du tout, donc utilisent juste cyberviolence, puis prennent pour acquis que ça fait consensus, alors que c'est difficile d'avoir, de pouvoir comparer des données de recherche alors qu'on ne mesure pas les choses de la même façon. Il y a vraiment aussi une disparité sur ce qui est considéré ou non comme un comportement violent. Vous allez voir aussi une grande étendue de la prévalence, donc l'ampleur du phénomène qui varie beaucoup d'une étude à l'autre, et une méconnaissance des facteurs de risque et de protection. Donc ça, c'était le point de départ de notre recension. Dans les milieux de pratique, par ailleurs, à l'époque, il y avait peu d'informations disponibles sur le sujet, plus de sources d'aide ou de référence et des initiatives de sensibilisation qui étaient somme toute limitées et qui touchaient principalement les adolescents et les jeunes adultes, qui est le public le plus ciblé. Donc, nous, notre objectif principal, en fait, de cette recension, c'était de documenter les cyberviolences qui sont subies en contexte de relations intimes ou de contexte de séparation. On a utilisé là, le mot violence exercée par un partenaire intime pour être plus inclusive aussi sur le type de configuration relationnelle que ça impliquait. On avait trois sous-objectifs. Donc, le premier, de définir les cyberviolences, de documenter les expériences de victimisation du point de vue des femmes, des adolescentes aussi, ainsi que la prévalence de ces formes de violence, et on voulait voir ce qu'il y avait sur le marché là, en termes d'informations sur les facteurs de risque et de protection qui sont associés à la cybervictimisation. Donc, bon, c'est une action concertée et au départ, ben, on a réuni plusieurs acteurs autour d'une même table et on voulait aussi couvrir les milieux parce qu'on avait un objectif de regarder à travers la trajectoire développementale des femmes, donc aussi de rejoindre les plus jeunes femmes, donc les adolescentes et les femmes adultes et celles aussi qui sont utilisatrices de services, donc les femmes par exemple qui fréquentent les ressources d'hébergement. Donc, nos principaux partenaires, bon, il y avait l'INSPQ, le CIUS Bas-Saint-Laurent, le Centre CyberAide qui s'intéresse en fait à prévenir la cyberintimidation, la cyberdépendance des jeunes. Tragévie, qui est un partenariat CRSH qui regroupe plusieurs organismes communautaires et institutionnels qui travaillent auprès des groupes de femmes en violence conjugale, en accompagnement. Si je reviens à notre métaux, ceux qui seront plus intéressés à avoir des détails, parce que c'est le défaut des chercheurs de vouloir trop détailler sur ces éléments-là, alors qu'ici, on nous avait bien dit de mettre l'emphase sur les résultats et les outils de diffusion qui avaient,
qui avait vu le jour. Donc, en fait, l'équipe a procédé à une recension systématique des écrits dans les règles de l'art. Donc, on a, dans un premier temps, recensé 1036 études qui ont été filtrées à partir des moteurs clés. Ce sont des études qui ont été publiées, revues par les pairs entre 2005 et 2018. Là, on en a retenu 135 qui ont été évaluées parce qu'il y a beaucoup d'études qui ne disent pas nécessairement le contexte. On parle de cyberviolence, cyberintimidation, mais pas nécessairement dans un contexte de relations intimes. Et nous, c'était vraiment notre critère là, en contexte de relations intimes. On avait un biais qu'on voulait comprendre l'expérience des femmes parce que les femmes sont les plus touchées par les cyberviolences, même si les garçons aussi sont concernés par la question, mais on voulait bien comprendre. Donc, on voulait aussi avoir des études qui s'étaient intéressées à faire les distinctions en fonction du genre pour pouvoir parler de la réalité des femmes. Ces études-là devaient nous informer sur la prévalence, sur les facteurs de risque et de protection qui sont associés à la violence et permettre de quantifier en fait le phénomène. On a retenu tant les études quantitatives que qualitatives et puis ça a donné lieu en fait à la fin là, du processus de filtre à la rétention de 32 études qui ont été retenues et qui correspondaient à nos critères de sélection. Donc, ensuite, on a fait un accord interjuge sur les éléments qui ont été codifiés parce que vous allez voir à la fin qu'on s'est engagé à livrer un article, en fait, qui faisait une recension systématique des écrits, ce qu'on a fait. Fait qu'on a quand même un bon taux d'accord interjuge de 82%, c'est vraiment excellent. Au niveau des définitions qui correspondent en fait à notre premier objectif, qui était de documenter les différentes formes de violence, vous voyez ici sur la diapo comment, quand c'est écrit N, là, ça fait référence au nombre d'études. Donc, il y a quand même 13 études sur nos 32 études de base qui n'utilise c'est vraiment effrayant là, du point de vue de la recherche, qui ne précise pas en fait la définition de ce qu'ils entendent par cyberviolence ou cyberintimidation ou cybervictimisation, parce que les mots sont aussi utilisés comme des synonymes. Là. Il y a vraiment beaucoup de mots pour nommer le même phénomène. Et puis si on a un constat qu'on fait, c'est qu'il faudrait comme s'entendre sur un mot, un vocable pour parler de ce phénomène-là. Ce serait déjà un premier pas là, en termes d'essayer d'être plus systématique de la façon dont on étudie ce phénomène-là. Mais il y a beaucoup d'études qui se sont... C'est vraiment intéressant parce qu'il y a un débat dans cette littérature-là. Est-ce que les cyberviolences sont des formes spécifiques de violence ou ce sont des contextes? Et il y a beaucoup des études qui parlent de l'intention ou du contexte ou de la nature de ce comportement-là, alors qu'en recherche en violence conjugale, on a tendance, en fait, ce sont des types de violences qui font appel à des comportements. Donc, violence psychologique, violence physique, violence sexuelle, violence économique, c'est défini en fonction de comportements. Mais dans la littérature en cyberviolence, c'est vraiment défini en fonction de l'intention que l'auteur donne à ses gestes. Alors que une victime ne peut pas nécessairement prononcer sur quelle était l'intention derrière ce geste-là. Là. Tout ce qu'elle peut vous raconter, c'est les conséquences pour elle et quel type de comportement se sont manifestés. Alors, ça, c'est un aspect là, qui,
qui demande à être précisé là, au niveau de la littérature. Donc, vous avez sur la diapo là, un résumé de ces aspects-là. Certains aussi vont la définir en fonction des conséquences qui sont occasionnées sur la victime. Donc, on parle de détresse, de préoccupation par rapport à la sécurité, plutôt que de s'intéresser aux comportements qui sont exercés en tant que tels. On a effectué une analyse des données à partir des études qualitatives sur la question des cyberviolences. Donc, des études qui visaient à donner la parole aux victimes et que les victimes se prononcent sur leur expérience et racontent. Donc, il y a 22 études qualitatives qui ont porté sur ce thème. Au total, nous, ce qu'on a décidé de faire à partir de ça, c'est vraiment de dégager une typologie des cyberviolences. Typologie qu'on a présentée dans notre recension, dans notre article de recension systématique, et typologie qui, espérons-le, va pouvoir donner lieu à des mesures qui sont systématiques et cohérentes dans ce domaine de recherche-là. Donc, il y a une première, en fait, catégorie de violence directe, de cyberviolence directe. Donc, elle se manifeste en trois types. Donc, les violences, la surveillance et le contrôle qui visent à obtenir de l'information au sujet de son partenaire pour savoir ce qu'il fait, où il se trouve, avec qui il est. Ça, c'est la première catégorie. Il y a aussi les expériences de cybervictimisation qui ont attrait au harcèlement, donc qui visent à contacter son partenaire de manière répétée ou pour tenter de contacter, même si ce comportement, évidemment, n'est pas désiré. Et une troisième catégorie qui sont les violences, cyberviolences sexuelles, où la victime est soit forcée de faire parvenir du contenu à caractère sexuel ou en recevoir de la part de son partenaire ou via d'autres, de tierces personnes là, qui sont sous l'emprise de son ex-partenaire. Et il y a une autre catégorie, en fait, de violences indirectes. Celles-ci sont soit sexuelles ou non, mais elles ont trait à des contenus, une diffusion des contenus au sujet de son partenaire en public ou à ses proches, mais à des tierces personnes. En fait, la victime n'est pas ciblée spécifiquement dans ce contexte-là. Alors, on a aussi procédé à recenser les différentes technologies qui étaient mentionnées dans ces études-là. Donc, il y a évidemment les technologies qui ont attrait aux réseaux sociaux. Donc, on parle de messagerie instantanée, de publication de photos, de vidéos, d'exclusion de groupes, de publication en ligne sur des forums ou des blogs qui visent en fait l'ex-partenaire ou le partenaire amoureux actuel. Courriel, donc utilisation de l'identité, courriel de la victime, envoi, achat, inscription, site de rencontre, nommez-les, là, j'ai lu des choses absolument épouvantables en faisant cette recension des écrits, monitoring des courriels aussi. Il y a aussi l'utilisation, évidemment, des téléphones cellulaires, donc les messages répétitifs, que ce soit des messages textes, des courriels, et la fonction de géolocalisation, pardon, et toute l'utilisation de tout autre dispositif de transmission des données là qui vise en fait la victime, donc les logiciels de, vous m'avez parlé tantôt, logiciels de piratage, enregistrement de frappe, caméras cachées qui sont activées à distance, donc ça donne lieu vraiment à une escalade de comportements qui sont, ma foi, très, très inquiétants et qui occasionnent beaucoup
de détresse chez les victimes. Et ça fait vite, hein? OK. Donc, pour ce qui est de la prévalence, suivez-moi, on y va de gauche à droite. Donc, c'est divisé en catégories d'âge. Vous avez de gauche à droite là, les femmes adultes, les adultes émergents. Vous direz qu'il y en a qui émergent après 25 ans, mais c'est les 18-25 ans. Et à droite complètement, les adolescents. Donc, chez les femmes adultes, on voit qu'au niveau de la surveillance et le contrôle, on parle parmi les 32 études recensées, la prévalence moyenne sur notre catégorie surveillance et contrôle. Donc, on est à 28,5 % chez les femmes adultes en ce qui a trait au harcèlement, 44 % des femmes. Violence sexuelle, cyber-victimisation sexuelle, aucune étude s'est intéressée à ça. Ça, c'est un peu, c'est un peu étonnant, là, parce que c'est quand même super prévalent chez les plus jeunes, alors que chez les femmes adultes, on se serait attendu aussi que ce soit une forme de violence exercée. Les violences indirectes sont à 28 % Chez les adultes émergents, surveillance et contrôle, ARI, c'est dans le contexte d'une relation amoureuse, on est à 28 % En contexte de séparation, à presque 28 % aussi. Harcèlement, 25 % en relation amoureuse, en contexte de séparation, aucune étude. Cyber-victimisation sexuelle, 36 % en contexte de relation amoureuse et aucune étude en contexte de séparation et cyber-violence indirecte, presque 10 % en contexte de relation intime et 18 % en contexte de séparation. Chez les ados, c'est vraiment très élevé, 66 % surveillance et contrôle en situation de relation intime. Aucune étude s'est intéressée à la rupture, contexte post-séparation. C'est quelque chose qu'on néglige vraiment chez les jeunes, là, parce que supposément que leurs relations sont pas assez significatives ou sérieuses pour s'intéresser à ce contexte-là, mais vous savez que la rupture, c'est vraiment quelque chose de difficile à vivre, alors je serais bien curieuse d'avoir, ça fait un clin d'œil à la première présentation, d'avoir des données à ce sujet-là. Harcèlement, près de 75 % en relation intime. Violence sexuelle, on est presque à 75 % des jeunes femmes, des ados, donc les 12-18 ans. Et violence indirecte, 75 %. C'est vraiment une thématique sur laquelle il faut vraiment se pencher, puis continuer à réfléchir, puis à faire de la sensibilisation. Je poursuis rapidement au niveau des facteurs de risque. Seulement 11 études se sont intéressées aux facteurs de risque. Ce sont plutôt des facteurs de risque de l'ordre individuel ou relationnel qui ont été envisagés. Peu de facteurs socio-environnementaux, en fait, aucun ont été considérés, puis ça touche beaucoup, en fait, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a une co-occurrence, hein, qu'on vit de la cyber-victimisation en contexte de relations amoureuses. On en vit aussi de façon classique. Donc, il y a vraiment une co-occurrence de ces deux formes de violence-là. Ici, c'est un peu épeurant. Facteur de protection, 3 études sur 32 seulement s'y sont intéressées et ont trouvé un lien entre l'attachement sécurisant et le fait d'être moins victime de violence dans le compte, de cyberviolence et le soutien des pères, soutien de la famille, là,
Ce sont surtout des études qui se sont intéressées aux ados qui ont cerné ces éléments-là, mais rien chez les femmes plus matures. Donc, en conclusion, les jeunes adultes constituent la population la plus étudiée. Hein? Ben, c'est pas étonnant non plus, c'est une population qui est plus captive. Hein? Quand on fait des études, c'est plus facile d'obtenir des données. Ce sont des études américaines pour la plupart, donc... Les cyberviolences sont plus présentes en cours de relation qu'en contexte de séparation, mais en contrepartie, on s'est plus intéressé au contexte de relation intime que de séparation. La surveillance et le harcèlement sont des cyberviolences sont plus en fait élevées que les cyberviolences à caractère sexuel ou indirect, mais aussi plus étudiées. La cyberviolence sexuelle, la cyberviolence indirect est la moins étudiée et les facteurs de risque examinés relèvent seulement de dimensions individuelles et relationnelles et peu d'études, deux seulement, se sont intéressées aux facteurs de protection. Donc, à partir de là, c'est vraiment difficile de penser à des interventions ciblées parce qu'on a peu d'indices sur les facteurs de risque. On ne sait pas trop quoi mobiliser non plus au niveau des facteurs de protection pour tabler sur les forces des femmes. Mais par contre, on a réussi quand même à dégager qu'il y avait des éléments communs dans les expériences qui étaient rapportées, mais en contrepartie des disparités importantes au niveau des définitions, au niveau des mesures. Donc, c'est vraiment difficile de comparer les études entre elles. Donc, à partir de là, en recherche, il faut qu'on poursuive les études là-dessus. On a identifié vraiment des limites au niveau des groupes d'âge, des contextes, relations intimes, relations post-séparation auxquelles il faudrait s'attarder. Pour être en mesure vraiment de cerner les facteurs de risque et de protection qui peuvent être mis à profit. Pistes de solutions prioritaires, donc le développement en fait de programmes d'accompagnement pour prévenir les cyberviolences, puis s'attarder vraiment au contexte de rupture qui est un moment clé et qui peut avoir vraiment des répercussions qui sont dramatiques sur la vie des femmes. Oui, il y a des interventions qui... Non, on est rendu à cette étape-là là, d'aller fouiller du côté des données probantes au niveau des programmes qui ont été évalués en prévention ou en accompagnement sur les cyberviolences pour être en mesure d'identifier des éléments qui pourraient permettre d'adapter, en fait, les interventions qu'on propose. Alors, tout semble être revenu à l'ordre. On s'excuse contre-temps. C'est vraiment un problème technologique, le cyber world. Alors, on va vous laisser terminer. Prenons le temps. Alors, je disais qu'on a produit des infographies qui résument les résultats de la recension systématique des écrits pour les praticiens. Et je ne sais pas si vous avez suivi dans les médias cette semaine, mais on a lancé une campagne de sensibilisation avec le soutien du secrétariat à la condition féminine, d'ailleurs. Et puis, cette campagne de sensibilisation-là porte sur les violences sexuelles en contexte de relations intimes et cible les adolescents de 14-19 ans. Et puis, comme on avait des résultats de recherche, on s'est dit pourquoi ne pas intégrer la question des cyberviolences sexuelles dans les capsules. Alors, j'espère que tout ira bien, mais je vous invite à regarder là, deux courts extraits des capsules. Ce qui conclura ma présentation. Merci. J'en reviens pas encore. Toute l'école m'a vue.
J'étais avec mon amie Kathleen un soir et on déconnait avec nos téléphones. Bah, on déconnait pas vraiment. Je la trouve à mon goût et on a commencé à se prendre en photo. Je me suis dit, c'est ma chance, elle flash sur moi. Alors, je me suis déshabillée et j'ai pris quelques poses. On devait faire la même chose avec elle, mais elle m'a dit que ses parents allaient arriver bientôt. Fait que je suis partie. Je me suis dit, cool, une deuxième date. Je pensais jamais qu'elle ferait ça. Je me sens pas juste humiliée. Je me sens trahie, abusée. À l'école, c'est l'enfer. Quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est tellement con. Tout le monde s'est partagé la photo. Et mon ami la voulait. J'y ai envoyé. J'ai pas réfléchi, ça a pris 2 secondes. Puis là, ben, j'en paye le prix. Là, je peux plus aller sur les réseaux sociaux, puis j'ai été suspendu de l'école. Mes parents contrôlent mon téléphone, mon ordi. Ils m'ont interdit de sortir. Mais tu sais, ça, c'est rien. Le pire, c'est quand j'ai vu son visage, sa détresse. Juste pour être drôle, pour être cool, j'ai peut-être participé à détruire la vie de quelqu'un. Si ça avait été moi, ces photos, j'aurais dû réfléchir. Bon, écoutez, merci. Donc, on donne le temps aux gens de se reconnecter. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont là, en ligne avec nous. Alors, si vous le voulez bien, on va tout de suite passer à la période de questions. On va tenter d'avoir le temps qui était prévu, donc, initialement. Et je pense qu'on a déjà une question, ou si c'est pas plus, là, du côté du web, madame. Oui, c'est madame Thibodeau qui nous revient en nous demandant, je suis préoccupée par l'utilisation éventuelle des outils de style Google Home pour contrôler l'environnement d'une victime à distance. Peut-être la voir et même l'entendre. Est-ce qu'une étude s'est déjà attardée à cet outil? Pas à ma connaissance, non. Mais c'est vraiment étonnant comment la recherche est somme toute embryonnaire dans cette... parce que depuis 2005, seulement 32 études se sont intéressées à la violence cyberviolence en contexte de relations intimes, donc ce serait des éléments là, qu'il faudrait creuser, là, mais évidemment, les outils qu'on va développer de mesure devront tenir en compte aussi, c'est ça la difficulté là, de l'émergence de nouvelles technologies pour exercer la violence en contexte intime. Donc. Est-ce qu'on a d'autres questions pour l'instant? Non. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Donc, au niveau de justement de ces nouvelles plateformes sur Internet, même les recherches du côté des jeux du hasard et d'argent, dans une étude récente, on entendait que comme ça évolue très, très rapidement, ça doit être très difficile à suivre également. Oui. Donc, c'est un éternel recommencement. Oui, mais moi, ma préoccupation actuellement, c'est que ces manifestations-là ne sont pas incluses dans les mesures classiques de violence conjugale. Donc, ça devient vraiment difficile parce que c'est vraiment considéré comme deux univers de recherche qui travaillent en vase clos alors que, comme on voit les chiffres, là, il y a vraiment une co-occurrence de ces deux formes de violence-là, puis elles devraient être considérées
dans nos mesures aussi. Il y a une préoccupation aussi par rapport à, dans les milieux de pratique, les ressources d'hébergement, d'avoir un protocole d'intervention systématique. Ça, ce serait comme une autre de nos recommandations là, qu'on souhaitait faire là, parce que chacun y va comme il peut, alors qu'on gagnerait à concerter nos efforts pour mettre un protocole d'intervention systématique pour assurer la sécurité des femmes puis pour les responsabiliser aussi par rapport à l'utilisation des nouvelles technologies puis par ailleurs, ces technologies-là peuvent être mises au service des femmes hein, pour recueillir de la preuve, pour dénoncer les situations de violence. Donc, c'est pas juste un tableau sombre, là. Je vous ai donné des chiffres noirs et la réalité, elle est omniprésente, mais avec une utilisation intelligente des nouvelles technologies, les femmes peuvent aussi les utiliser à bon escient, puis tirer le meilleur parti. Là. Donc, je pense que ça me fait plaisir de vous laisser sur un message d'espoir là, qu'il faut vraiment, c'est en sensibilisation, en prévention, travailler sur l'utilisation intelligente des nouvelles technologies, puis... C'est parce que ce qu'on entend dans le discours des plus jeunes qui s'échangent leurs mots de passe, leur accès, comme si c'était une marque de confiance, en fait, ça fait partie des nouvelles représentations sociales. Alors, si on refuse de donner son accès, c'est comme si on avait quelque chose à cacher. Alors, c'est comme ça que sur le terrain, les jeunes nous rapportent l'information. Alors là... Je pense qu'il y a du travail de sensibilisation à faire à ce niveau-là. Puis, ouais. Et alors, on a une question ici. Oui, bonjour. Donc, Maya Ducas, du directeur des poursuites criminelles et pénales. Donc, en fait, c'est pour renchérir là-dessus. Donc, oui. En effet, je peux vous dire que certains procureurs là, utilisent, en fait, là, le cybercontrôle mm-hmm. comme moyen de preuve à la cour pour appuyer la victime là, donc et c'est souvent des choses que l'accusé va reconnaître sans réaliser en fait qu'il appuie la position de la victime parce qu'il considère pas ça comme de la violence et on va avoir par exemple là, j'ai un dossier d'une jeune victime c'est chez les adolescents mais elle devait se prendre en photo à toutes les pauses, tous les midis, dans l'autobus pour montrer qu'elle n'était pas à côté d'un autre garçon. Et bah, évidemment, tout ça était, toute la preuve était conservée. Là. Donc, après ça, d'appuyer, il y a eu des accusations pour des gestes de violence physique et sexuelle, pas au niveau de la cyberviolence, là, mais au niveau de sa crédibilité puis de l'utilisation, là, il y avait toutes les photos, tous les messages. Donc, ça a permis une bonne utilisation, du moins cette fois-là, pour les messages et l'ensemble de la preuve informatique. Ben, je vous remercie pour l'intervention. C'est vrai que en intervention, en prévention, on travaille souvent en silo aussi, là, les gens de la prévention, promotion de la santé, puis... Le côté judiciaire et on aurait tout avantage à travailler ensemble là, pour potentialiser les efforts là, parce que ouais. On a une question ici. C'est plus un commentaire ou une réflexion que j'aimerais partager. C'est dans le sens où je pense qu'au niveau des technologies aujourd'hui, on aurait avantage à l'enseigner à tout le monde de quelle façon utiliser la technologie parce que des fois, c'est par méconnaissance ouais. de jusqu'où les informations qu'on donne deviennent publiques un jour. Oui. Et c'est pas juste dans l'intention de faire de la violence, mais il y a toutes sortes de situations où moi, je suis sur Facebook et je vois une conversation que je devrais pas voir d'affaires intimes, puis ça n'a pas de la violence, là. Mais je trouve que les gens sont pas informés de comment l'information se transmet. Autre chose que j'ai remarqué dans une de vos diapositives, c'est quand vous avez divisé la cyberviolence par forme, ça me fait comme penser que dans le fond, toutes les formes de violence, peut-être sauf la violence physique, peuvent être exercées par au moyen. Fait que ça revient comme si
C'est un moyen pour exercer la violence verbale, le harcèlement, le contrôle social, la violence sexuelle. Ils sont tous là, dans ce médium-là. Et ça, c'est comme si je comprends que des fois, il peut avoir une difficulté à essayer de juste prendre l'élément super-violence parce que c'est la violence des relations amoureuses qui est vécue au travers oui. de ce médium-là. Et il y a beaucoup... en tout cas, je sais que nous, dans ce qu'on entend, il y a beaucoup d'informations à transmettre aux jeunes, mais aux moins jeunes. Et lorsque vous avez parlé tout à l'heure des maisons d'hébergement, je sais qu'il y en a plusieurs qui mettent en garde les femmes lorsqu'elles arrivent, du fait qu'elles peuvent être localisées avec leur téléphone. Si elles arrivent avec des adolescents, il y a une mise en garde de plus en plus sur ces instruments-là, ces appareils-là. Et même souvent, les sites Internet d'information informent comment quitter sans laisser de traces. Alors, on voit qu'il y a une préoccupation là, par rapport à... C'est les traces, il ne faut pas avoir de traces de rien. Là, tu sais, c'est... Mais j'ai beaucoup aimé la présentation. J'aime beaucoup de voir aussi qu'il y a des outils qui sont développés. Ouais. J'ai hâte d'aller toutes les regarder et ça m'allume. Là. Oui, ben on a vraiment eu beaucoup de plaisir à faire ce projet-là qui se destinait à être une retransmission systématique. Là. C'était bon, un mal nécessaire, là, mais ça a vraiment donné lieu à des actions concrètes, là, puis en espérant que ça fasse des petits. excusez, pour une meilleure diffusion, vous avez mentionné le Facebook qui est allé rejoindre quand même 139 et plus ouais. 1000 personnes. C'était une page qui était supportée C'est la page Parcours amoureux des jeunes du laboratoire de Martine Hébert. Et puis sur la page Facebook du laboratoire d'études sur la violence et la sexualité, vous allez trouver là, les capsules qui sont disponibles là, depuis avant-hier. Donc, c'est tout chaud. Et puis, c'est un projet avec, par et pour les jeunes. Donc, bon... Dans l'article, j'ai moins aimé là, quand on a dit l'addiction laisse à désirer, c'est pas des vrais comédiens, mais c'était pas l'esprit du projet. L'esprit du projet, c'était d'impliquer les jeunes tout au long de la démarche. Puis il faut avoir vraiment du guts pour prendre parole comme ça devant une caméra pour raconter en fait une histoire qui n'était pas en fait leur histoire à eux. Mais l'histoire des vrais, en fait, inspirée de vraies histoires de jeunes qu'ils ont rencontrés dans le contexte de la recherche. Alors, moi, chapeau à ces jeunes-là qui se sont mobilisés puis qui sont sortis de ce processus-là avec une perception de faire la différence pour leur père puis vraiment allumés par cette cause-là de prévention de la violence. Alors, je trouvais que le commentaire sur leur jeu. Mais bon. Merci beaucoup, merci. Mylène Fernet. Merci. Alors, on va prendre une pause pour les gens aussi qui sont en web. Je vous informe, une pause de 12 minutes. Est-ce qu'on est bon avec 12 minutes? 12 à 15 minutes maximum avant la prochaine présentation. Merci.
Alors, merci de votre patience. Nous sommes de retour. Moi, j'ai 4 heures moins 10, donc on a déjà pris un peu de retard, mais on va s'en tenir et permettre à Mme Lessard et à sa collègue le 30 minutes de présentation que je vais vous laisser donc présenter les gens. Merci beaucoup. Donc, bonjour. Je suis Geneviève Lessard, professeure à l'École de travail social et de criminologie à l'Université Laval. Je vais présenter avec ma collègue Chantal Lavergne, qui est chercheur d'établissement au CIUS du Centre-Sud de Montréal. Chantal a porté un des volets du projet. Il y a aussi en ligne Sylvie Lévesque qui a porté un autre volet du projet, puis la coordonnatrice du projet qui a été mon bras droit et mon bras gauche par moment dans le cadre du projet, parce que c'était un projet vraiment ambitieux dans lequel il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui sont en ligne, des personnes de notre projet, qui sont présentement. Je vous remercie d'être là encore une fois, même si vous avez entendu la présentation, le projet et ses résultats déjà à quelques reprises. Merci aussi au fond et au ministère qui ont cru en l'importance de notre projet. Donc, je vais commencer avec la présentation des... je voulais juste aller à la diapositive de la fin. Je ne sais pas si je peux contrôler ça par ici. L'avant-dernière diapositive, merci. Ce sont tous les partenaires du projet qui ont travaillé à différentes étapes, donc vous comprendrez qu'il y a beaucoup de monde. Ça représente une trentaine de personnes, parce que dans certains organismes, il y a plus qu'une personne qui ont participé à des comités de travail, un comité de travail d'un volet ou venu au comité orienteur régulièrement tout au long du projet, et cette diapositive-là ne représente que les logos des milieux de pratique partenaires. Il y a aussi 6 chercheurs réguliers et 9 autres collaborateurs qui sont, ce qui fait 30 personnes. Donc, merci à tout ce beau monde-là. Donc, on peut revenir à la diapositive des objectifs, s'il vous plaît. Donc, les objectifs du projet se déclinent en 3 volets. On a un volet qui est plus quantitatif, c'est le volet que Chantal a dirigé, où les objectifs étaient de décrire l'ampleur et les caractéristiques des situations de co-occurrence. Pour la suite de la présentation, on va utiliser les acronymes VC pour violence conjugale, PSM pour problème de santé mentale, PC pour problème de consommation, parce que l'objet du projet, c'est vraiment sur les co-occurrences de ces problèmes-là et aussi sur les parentalités dans des situations de co-occurrence. C'est quoi les défis là, de la paternité, de la maternité? Donc, le volet quantitatif, c'est plus pour décrire l'ampleur, les caractéristiques des familles en situation de co-occurrence, puis comparer aussi selon que ces familles-là sont issues d'un échantillon populationnel dans la population générale ou d'un échantillon plus clinique. Je vais vous présenter tout à l'heure la méthodologie. Dans le volet qualitatif que Sylvie Lévesque a dirigé avec nous, c'est plus de comprendre l'expérience des personnes qui sont en situation de co-occurrence, que ce soit des mères, des pères ou des adolescents, voir qu'est-ce qu'ils pensent aussi des services qu'ils reçoivent, qu'est-ce qu'ils proposent comme amélioration. Puis finalement, on avait un dernier volet qui était plus au niveau de développer les pratiques que de développer les connaissances. Puis on est dans une recherche-action, on avait des objectifs de développement des connaissances, mais aussi des objectifs de soutenir les pratiques des intervenants dans ces cas qui sont quand même des cas complexes, où il y a plusieurs problématiques là, associées à la violence conjugale. Donc, dans le volet 3, le but, c'était de discuter avec ce que nous, on appelle des experts de la pratique et de l'intervention. Je dis « experts » entre guillemets parce que pour nous, les familles sont aussi des experts de leur situation. Mais pour alléger la présentation, partout sur le PowerPoint, quand vous voyez le mot « expert », ça désigne pour nous ceux qui ont une expertise soit en violence conjugale, soit en santé mentale ou en consommation, puis qui ont participé de façon active dans le projet. C'est aucunement pour dénigrer là, l'expertise là, des familles. Donc, le volet, chacun de ces volets-là a impliqué un comité de 5 à 10 personnes qui étaient dans le projet, soit en provenance des milieux de pratique ou soit en provenance de la recherche, qui ont dirigé chacun des comités et participé aux travaux étroitement là, pour la collecte et l'analyse des données. On a, dans le volet quantitatif, oui, on peut avancer. Ah, OK, merci.
Donc, dans le volet quantitatif, on a choisi la stratégie d'utiliser deux échantillons représentatifs d'une population générale et du Québec et d'une population clinique, soit celle des jeunes suivis en protection de la jeunesse. On a fait ce choix-là par souci d'économie parce que ça aurait coûté très cher de répondre à nos objectifs avec une enquête spécifique. Je pense qu'on aurait eu juste un volet avec l'argent qu'on avait, puis encore. Donc, mais on avait des variables pertinentes dans ces deux enquêtes-là pour répondre à nos questions, et c'est quand même intéressant de travailler avec un échantillon représentatif, deux échantillons représentatifs, plus les autres volets là, dont on vient de parler. Donc, 508 enfants exposés à la violence conjugale dont le signalement était jugé fondé par la DPJ. Donc, dans l'étude d'incidence du Québec, on a pris seulement les situations des enfants exposés à la violence conjugale, et on a fait la même chose dans l'enquête sur la violence dans la vie des enfants du Québec, ce qui donnait 524 enfants exposés à la violence conjugale dans l'autre échantillon populationnel. On n'a pas pu fusionner les deux bases de données en une seule parce que les méthodologies des enquêtes étaient beaucoup trop différentes dans les deux cas. Dans l'enquête du centre jeunesse, c'est l'intervenant qui compile au dossier les informations. Et dans l'enquête populationnelle sur la violence familiale, c'est le parent qui répond, la mère ou le père, qui répond par téléphone à des questions. Il y a des questionnaires standardisés sur la santé mentale, sur les problèmes de dépendance. Donc, on avait beaucoup trop de différences méthodologiques. On a fait les analyses séparées, puis ensuite, on a comparé qu'est-ce qui ressortait dans chacune des enquêtes. Pour le volet qualitatif, on a rencontré 42 personnes en situation de co-occurrence. J'insiste sur le mot personne parce que ce n'est pas des familles où on a rencontré le père, la mère, l'enfant. On a vraiment recruté avec des critères qui étaient spécifiques pour les parents et spécifiques pour les adolescents. Donc, pour les parents, c'était d'avoir au moins un enfant de moins de 18 ans, d'avoir vécu de la violence conjugale en co-occurrence avec le problème de santé mentale ou de consommation dans les deux dernières années, puis d'avoir des contacts avec son enfant. Il ne pouvait pas être placé sans aucun contact parce que le sujet, c'est la parentalité. On voulait qu'ils soient capables de nous parler là, de leur expérience de la maternité ou de la paternité. Et pour l'adolescent, ben, c'est d'être dans une famille où il y a eu une co-occurrence de violence conjugale et de problèmes de santé mentale ou de consommation dans les deux dernières années aussi, chez l'un ou l'autre de ses parents. On a utilisé trois stratégies de collecte de données en quatre temps. Donc, dans un premier temps, on a fait compléter un outil aux personnes sur les problèmes qu'eux identifient dans leur famille. Donc, on n'y allait pas seulement par une approche très médicale et diagnostique, mais vraiment, qu'est-ce que les personnes trouvent qui complique leur vie familiale, qui crée un problème dans leur famille, puis différents types de violences conjugales, physiques, sexuelles, différents types de problèmes de consommation, différents types de problèmes de santé mentale qui pouvaient cocher, qui devaient aussi identifier s'ils étaient diagnostiqués ou pas. Après avoir fait ça, bien là, on commençait la première partie de l'entrevue qualitative qui visait à avoir leur discours qualitatif sur les liens entre les problèmes, comment ils les interprètent, comment ça peut affecter les parentalités dans ces situations-là selon eux. Troisièmement, on faisait un autre outil qui était la cartographie des services. C'était une map de toutes les ressources et ils identifiaient les ressources qu'ils ont eues, qu'ils ont reçues de l'aide, de ressources formelles ou informelles, et dans quel ordre. Et là, après ça, on reprenait la deuxième partie de l'entrevue pour qu'ils nous parlent des services. Comment a été leur expérience dans les services? Qu'est-ce qu'ils suggéraient pour améliorer les services aux familles qui vivent des situations de co-occurrence? Pour le volet 3, on a discuté des résultats des objectifs 1 à 4 avec les experts de la pratique dans le cadre de trois séminaires qui ont eu lieu à Québec, Montréal et Trois-Rivières. Au total, ça réunit 57 experts et ils nous ont priorisé les recommandations d'amélioration des interventions qu'ils jugeaient les plus prioritaires dans tous ces résultats qui leur ont été présentés. Et on a publié aussi une fiche Synergie là, qui résume ces recommandations-là retenues par les experts. Et on a également fait 9 concertations cliniques pour assurer un service plus continu et cohérent aux familles qui vivent dans des situations de co-occurrence. En cours de projet, j'ai reçu une très, très bonne nouvelle, c'est qu'on avait reçu une autre subvention de la part de Conditions féminines Canada pour augmenter le volet 3 partie concertation clinique
à une quarantaine de situations cliniques. Donc, ce projet-là est toujours en cours. On est très contents parce qu'on va vous parler de ce qu'on sait aujourd'hui avec les 9 concertations cliniques. Je ne veux pas mélanger les projets, mais éventuellement, j'aimerais bien qu'on puisse discuter comment on va pouvoir partager au gouvernement qu'est-ce qui ressort de l'autre projet où on a un échantillon un peu plus grand qui va peut-être permettre de bonifier encore plus les interventions dans les situations de co-occurrence. Donc, on y reviendra dans la période de discussion. Au niveau des résultats, je vais passer assez rapidement. On nous a demandé aujourd'hui d'aller avec les recommandations. Donc, on a pris plus de temps dans notre présentation pour parler des recommandations, mais rapidement. Puis là, j'ai l'impression d'être hyper expéditif, de choisir des éléments parce que le projet est tellement riche, autant pour le volet quantitatif que qualitatif, que ce qui ressort du volet 3, qu'on aurait pu prendre vraiment plus de temps. Donc, deux faits saillants, c'est au niveau de la réalité que ce n'est pas des exceptions, ces cas-là. C'est un cas sur deux parmi les enfants qui sont exposés à la violence conjugale. Et un peu à notre surprise, autant dans l'échantillon populationnel que dans l'échantillon clinique, c'est un cas sur deux. Des situations d'enfants exposés où il y a au moins un autre problème. Donc, la recherche était extrêmement importante. L'autre fait saillant, puis même dans notre échantillon clinique, on a le 2/3 des familles, des personnes qui ont participé, qui identifient les 3 problèmes donc dans leur famille. Donc, c'est des situations qui sont couramment rencontrées dans la pratique, qui sont évidemment plus complexes. Puis l'autre fait saillant, bien, c'est de retenir qu'il n'y a pas qu'une seule explication où il ne faut pas y aller de façon déterministe dans les explications de ces cas-là, parce que c'est très complexe, puis les liens que les personnes font entre les problèmes sont multiples. Il y a beaucoup de liens qui font, pas toujours de la même manière, pas toujours selon leur position dans la famille aussi. Ça m'amène peut-être à l'autre diapositive. La complexité se lie dans la manière que les personnes voient les liens, donc qui racontent les liens, et c'est toujours en fonction de leurs besoins spécifiques. Les enfants ont des besoins qui sont différents des mères, qui sont différents des pères dans ces situations-là, puis aussi selon les problèmes qu'ils vivent. C'est pas la même chose d'avoir un problème de dépression ou d'avoir une dépendance au jeu cyberdépendance. Donc, nous, on est allé avec une approche très large, exploratoire, puis ça a fait qu'on a eu beaucoup de diversité dans notre échantillon aussi sur la manière d'expliquer les liens. Un exemple de ça, c'est avec ces propos d'un adolescent, d'une mère, d'un père, on peut voir que les victimes de violences conjugales, souvent les mères et les adolescents de notre échantillon sont les victimes de violences, expriment comme besoin faire cesser la violence ou faire diminuer les conséquences de la violence que eux dans leur perception sont les problèmes associés sont des conséquences de la violence. Donc, faire réduire ces problèmes associés-là à la violence. Pour leur part, les pères, qui sont plus souvent dans notre échantillon des auteurs de violences conjugales, donc ils expriment des besoins plus liés à leur compréhension de ce qui peut avoir aggravé la violence. Donc, dans les situations de co-occurrence, ils disent que la co-occurrence avec la consommation, par exemple, ça fait de la violence plus sévère. Donc, à ce moment-là, eux, il faut qu'ils apprennent à composer avec ces facteurs associés-là pour pas que ça se traduise en violence. Donc, c'est comme ça que le père l'exprime ici, composer avec, ça peut être le stress dans ces cas-là, parce que notre échantillon aussi, c'est vrai pour les pères, mais pour les mères et les adolescents, c'est des familles qui vivent dans très grande défavorisation socio-économique. Suzanne a parlé tantôt des multiples problèmes qui sont présents et qui peuvent augmenter les violences, et aussi c'est des familles en grande difficulté. Donc, la complexité des expériences de co-occurrence, dans le volet 3, les experts qu'on a rencontrés disent que pour répondre à cette complexité-là, il faut absolument travailler avec des solutions adaptées au cas par cas. Parce qu'il n'y a pas une solution unique pour tout le monde alors qu'il vit des réalités différentes. Ça a été exprimé comme ça par les participants dans les séminaires d'appropriation des connaissances. Mais on va y revenir dans la conclusion. Tantôt, Chantal va faire le bout des recommandations.
Pour arriver à ne pas trop uniformiser, ben, il faut offrir du soutien clinique aux intervenants pour que ça soit une aide qui est comme plus raffinée, qui est plus spécialisée. On peut pas être spécialiste de tout. Donc, ça a été quelque chose qu'on a retenu de façon quand même assez importante. Maintenant, comment les co-occurrences affectent les rôles parentaux? Il y a des défis, beaucoup de défis. On n'a pas la prétention que cette liste-là est exhaustive. Là, on amène plus de défis dans nos publications plus complètes, au niveau des articles ou des fiches synthèses. Mais principalement, les mères ont dit être dénigrées dans leur rôle parental, qu'elles assumaient bien souvent seules les responsabilités parentales, alors qu'elles vivent elles-mêmes beaucoup de défis. Qu'elles sont moins disponibles et moins patientes avec les enfants, à cause de tous les problèmes associés et de la violence aussi, elles ont de la difficulté à offrir une disponibilité à l'enfant. Elles disent qu'elles ont de la difficulté à protéger les enfants dans ces contextes de multiples problématiques-là, malgré qu'elles ont quand même nommé des stratégies où elles font des choses concrètes pour protéger les enfants, mais elles trouvent que les enfants sont quand même pas en sécurité. Les pères aussi sont moins disponibles, moins présents, moins patients, parce qu'eux aussi sont pris avec tous leurs problèmes de la violence et qu'ils exercent, mais aussi les autres problèmes associés à la violence. Ils ont parlé des autres contextes. Je voyais beaucoup de liens avec les échos là, de la présentation de Suzanne. Ils ont parlé de ça aussi, qui complique l'exercice de leur rôle parentaux, tous les contextes liés à l'emploi, aux finances, etc., etc. La honte de leur comportement violent à exercer et la honte aussi de l'incapacité à être le père qu'ils voudraient être pour leurs enfants. Ça a été des choses qui ont été nommées là, dans les entrevues. Au niveau des défis parentaux, selon les participants au séminaire, donc le volet 3, les intervenants étaient très préoccupés par l'ampleur des défis parentaux. Je parle super vite là aujourd'hui, mais on a pris le temps de plus expliquer les résultats dans la présentation qui a commencé les séminaires, et en particulier pour l'exercice de la paternité et de la maternité, et ce, à court, moyen et long terme, parce que les enfants continuent de grandir dans ces situations-là. Donc, les intervenants étaient préoccupés, mais en même temps, pas découragés, parce que, comme on le voit dans les propos de deux parents qu'on cite ici, les parents sont quand même, ceux qu'on a rencontrés sont quand même assez conscients des lacunes par rapport aux réponses aux besoins des enfants. Il y a un père qui dit « j'étais pas vraiment présent pour mes enfants », une mère qui dit « j'étais impatiente, j'ai l'impression que je passe mon temps juste à crier ». Donc, ces parents-là sont quand même conscients qu'ils pourraient faire mieux avec leurs enfants. Et ça, c'est interprété par les experts de la pratique comme une prise de conscience essentielle à soit une demande d'aide ou soit à rester dans les services pour pouvoir avoir de l'aide, à arrêter la violence et ou les problématiques associées à la violence conjugale. Donc, pour initier une démarche de demande d'aide, ça prend cette sensibilisation-là. Bon, c'est sûr que nous, on a recruté avec la collaboration de tous les partenaires que je vous ai listés au début. On a des personnes qui sont dans les services, mais on a aussi des personnes que quand on a complété la cartographie des services, ils nous ont dit « je savais pas qu'il y avait autant de ressources. Celle-là, je la connais pas. » Donc, qu'est-ce qu'on a dit tantôt par rapport à l'information sur les ressources d'aide reste important aussi pour nous. Au niveau des conséquences sur les enfants de ces problèmes co-occurrents, sont nombreuses. Et ça, c'est très convergent dans notre volet 1, notre volet 2 du projet. Quantitativement, il y a le volet 1 démontre que les conséquences sont plus nombreuses quand on compare les enfants en situation d'exposition à la violence conjugale uniquement à celle des enfants dans les situations de co-occurrence avec d'autres problèmes parentaux. Il y a plus de conséquences il y a plus de risques aussi de placement des enfants en famille d'accueil. Par contre, au niveau de la nature des conséquences, c'est quand même assez similaire à ce qu'on connaît dans les écrits sur les enfants exposés à la violence conjugale. Donc, la sorte de conséquences qu'ils peuvent vivre sur leur bien-être, sur leur insécurité, les problèmes de comportement à l'école, etc., ça ressemble pour les enfants en situation de co-occurrence, simplement qu'en termes d'intensité, parce qu'il y a un cumul de problèmes, c'est des conséquences qui sont plus sévères pour ces enfants-là. Et les participants au séminaire ont mentionné
dans le volet 3, l'importance de faire plus de prévention parce qu'ils sont préoccupés de l'ampleur des défis que ça représente d'être un parent quand il y a de la co-occurrence. Ben, faisons plus de prévention avant même l'accouchement, donc pendant la grossesse. Vous avez financé un projet sur la violence conjugale en contexte périnatal dans le concours, aussi avec ma collègue Sylvie Lévesque. Mais ils ont aussi parlé des intervenants des adolescents, parce que ces adolescents-là se retrouvent souvent en contexte de sur-problèmes, se retrouvent à avoir des responsabilités qui vont au-delà de ce qu'un adolescent devrait avoir, prendre soin des plus petits, s'occuper de la vie familiale, et on devrait avoir une intervention qui est plus proactive avec eux, parce qu'ils vont souvent parler des besoins de leurs parents, puis se mettre en deuxième. Donc, avoir... Que ce soit les services qui aillent au-devant des besoins des enfants plutôt que d'attendre que l'enfant exprime ses besoins à son parent, qui peut d'ailleurs, dans bien des cas, pas aller chercher de l'aide s'il n'y a pas l'accompagnement de son parent. Donc, on va couper notre micro, puis je vais laisser la suite à Chantal pour les recommandations. On t'entend pas? Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est bon? Est-ce qu'on m'entend bien? C'est bon? OK, je vais y aller. Alors, donc, je vais aborder les pistes d'amélioration des services à prioriser. En particulier, je vais parler des recommandations qui se dégagent de notre projet. Les recommandations, en fait, qui ont été élaborées à partir des données qu'on a colligées dans le volet 2, donc auprès des participants, aux prises avec la co-occurrence, mais aussi les données qu'on a colligées à partir des données colligées dans le cadre des séminaires où on a pu justement discuter des implications des résultats de recherche avec les intervenants et gestionnaires. 6 recommandations sont formulées dans notre rapport final. Je vais les passer une après l'autre pour voir un peu ce qui ressort. Donc, une première recommandation concerne l'accès aux services. Les intervenants et gestionnaires ont mentionné l'importance de l'accès aux services, mais en particulier l'importance de diminuer les délais d'attente, les retours d'appel, justement pour orienter plus rapidement donc les familles vers les ressources et les services dont ils ont besoin. Faire en sorte aussi que les services demeurent disponibles même après la crise. Je vais y revenir un petit peu plus loin. C'est particulièrement le cas pour ce qui est des adolescents. Les parents, les pères, les mères et les adolescents ont aussi ajouté d'autres obstacles à l'accès aux services, comme par exemple la nécessité d'avoir l'autorisation des deux parents pour que l'enfant puisse avoir des services en violence conjugale. Donc, le fait, par exemple, pour une femme en situation de violence conjugale, de devoir demander au conjoint, auteur de violence, la permission que l'enfant ait des services, ben rend plus difficile donc l'accès de l'enfant aux services, fait en sorte que parfois c'est carrément pas possible. Les participants nous ont aussi parlé des problèmes d'accès qui sont liés plus aux difficultés finalement de se payer des services dits spécialisés. On va revenir parce que ça a été beaucoup mentionné par les participants. Une autre recommandation a trait à la formation donc des intervenants. Donc, selon les experts, la formation des intervenants sur les problématiques devrait être bonifiée, surtout pour ceux qui travaillent en première ligne et qui doivent justement savoir détecter les problèmes et référer les familles aux organismes appropriés. On a parlé aussi de l'importance donc de la formation en violence conjugale pour faire en sorte que les intervenants soient sensibles, en particulier aux formes peut-être plus subtiles de violence conjugale
conjugale, mais non moins importantes, comme le contrôle, le coercitif, la violence psychologique. Il y a été aussi beaucoup question de l'importance de la formation sur l'approche interculturelle pour l'intervention auprès des femmes immigrantes ou encore autochtones, bien que là, par rapport à cette approche-là, les experts ont été assez clairs sur le fait que les enjeux de contrôle et de contrôle et de pouvoir liés à la violence conjugale devaient aussi être présents ou aussi pris en compte dans ce type d'approche. Les familles aussi ont relayé ce type de recommandations. Dans les entrevues, les personnes ont mentionné que parfois, ils ont eu l'impression, dans les interventions qui ont été menées à leur égard, que les intervenants, que ce soit dans les services sociaux ou encore dans le monde judiciaire, dans le milieu judiciaire, que les intervenants étaient peut-être pas toujours sensible ou connaissant de cette problématique-là et que les interventions étaient peut-être pas toujours adaptées. Une troisième recommandation a trait à la sensibilisation de la population générale et de la prévention aussi. Donc, les experts ont mentionné l'importance de sensibiliser la population et les familles en ont beaucoup parlé aussi. En fait, faire mieux connaître les problèmes co-occurrents, justement pour contrer les préjugés ou bien les tabous qui sont associés à ces problèmes-là et qui sont un obstacle majeur à la démarche d'aide des personnes aux prises avec ces problématiques-là. On a aussi parlé beaucoup de la méconnaissance, en fait, des services de soutien présents dans les environnements où se trouvent les personnes aux prises avec les problématiques. Donc, il y a encore de la sensibilisation à faire sur les ressources d'aide, les services qui peuvent intervenir. Donc, les citations qu'on a sur la diapo réfèrent à ça. Dans le cas du père, c'est intéressant quand même de souligner l'importance aussi de continuer à sensibiliser sur la violence conjugale, la population, d'avoir un discours qui est accessible parce que, encore dans certains cas, on ne reconnaît pas que les comportements ou les actions qu'on pose sont de la violence conjugale parce que tout simplement, on n'a pas accès à ces connaissances-là, à cette reconnaissance de la problématique. Une quatrième donc recommandation a trait à l'aide concrète aux parents. Donc, selon les experts, les mères ont besoin de répit, d'aide financière, mais aussi a besoin de ne pas être dans les interventions, de ne pas être responsabilisée pour la violence conjugale, de ne pas être jugée aussi pour les problèmes de consommation, de santé mentale. On sait que ces problèmes-là, ces problématiques-là sont souvent dans les représentations sociales incompatibles d'une certaine façon avec la représentation qu'on se fait de ce que c'est une bonne mère. Donc, la victimisation, la stigmatisation peut être importante. Du côté des familles aussi, du côté des mères, par exemple, on a aussi parlé de l'aide concrète en termes de soutien social, en termes d'aide concrète pour du répit, de l'aide financière et aussi pour avoir accès à des services spécialisés. Comme par exemple des services en santé mentale. Du côté des pairs, les experts et aussi les participants aussi dans le volet qualitatif ont mentionné l'importance d'avoir accès à des interventions pour développer une paternité positive, donc exemple de violence conjugale ou de violence envers les enfants. Des services, une cinquième recommandation a trait à des services, et Geneviève en a parlé un peu dans la première partie, des services plus proactifs et complets pour les enfants et les adolescents. D'abord, les experts ont parlé de l'importance d'impliquer dans les interventions les enfants, les adolescents, bien sûr, en ne leur faisant pas porter la responsabilité des décisions, mais tout de même en les faisant intervenir, en écoutant ce qu'ils ont à dire et en leur permettant donc de donner leur avis sur les solutions aussi qui sont mises de l'avant.
Les adolescents dans notre volet qualitatif ont aussi été très, ont aussi parlé beaucoup de ça. Par exemple, on a une citation où le jeune participant nous parle du fait que son grand frère aurait voulu témoigner à la cour sur ce qu'il avait vécu, mais bon, on a décidé pour toutes sortes de raisons que c'était pas possible de le faire. Et c'est ce que le participant déclare parce que son frère aurait bien voulu être entendu à ce niveau-là, au tribunal à tout le moins. Être proactif aussi auprès des adolescents a été mentionné. Des ados nous ont dit, par exemple, dans le volet qualitatif, qu'il était parfois difficile d'avoir accès à de l'aide, surtout après la période d'hébergement, surtout après que la crise soit passée. Donc, une piste qui avait été identifiée lors des échanges, par exemple, de permettre au fond de prévoir des rencontres de suivi qui pourraient être utilisées par les jeunes là, selon l'évolution de leurs besoins. Finalement, l'importance aussi d'adapter les interventions aux besoins des enfants, aux besoins des jeunes, entre autres, dans notre volet qualitatif, les jeunes, certains jeunes nous ont parlé de l'aide concrète qu'ils auraient aimé recevoir pour les aider dans leur démarche de passage à la vie autonome, parce que certains jeunes préféraient ne pas retourner dans le milieu familial compte tenu des difficultés vécues et donc préféraient devenir autonomes, voler de leurs propres ailes. Et dernière recommandation, et non la moindre, liée aux défis, les défis de la collaboration entre les services. Les intervenants, les experts, en fait, ont parlé du fait qu'il n'y avait pas toujours une reconnaissance dans les milieux d'intervention, en particulier dans les milieux institutionnels, de toute l'énergie, les actions, le temps qu'on investit dans le développement des liens de collaboration. C'est pas nécessairement quelque chose qui est comptabilisé, qui fait partie de la mesure de performance. Donc, quand il s'agit de prioriser des interventions, c'est peut-être pas la collaboration qui va être priorisé. Alors, ça peut entraîner un manque de collaboration qui peut avoir toutes sortes de conséquences, dont entre autres un manque de cohérence, par exemple, entre les interventions qui sont faites par les différents organismes impliqués auprès des familles. Par exemple, on a une citation ici d'un adolescent qui raconte que bien que son père avait été s'était engagé dans une intervention pour conjoint violent, dans ses contacts avec les intervenants d'un autre organisme, il n'a pas senti que c'était nécessaire de le faire et donc il a abandonné sa thérapie, ce que l'adolescent donc déplore. Un autre défi lié à la collaboration, c'est vraiment le travail colossal qui est à faire pour ce qui est des liens entre les services sociaux et les services judiciaires. Par exemple, cette mère, qui est la dernière citation, qui nous parle du fait qu'elle aurait bien aimé recevoir des services lors de ses contacts avec la cour, avec le tribunal. Finalement, il y a été aussi question dans les témoignages des incohérences qui sont parfois présentes dans les décisions qui sont prises par les différentes cours qui peuvent être impliquées aussi dans les situations de co-occurrence en matière, par exemple, de garde d'enfants. Des décisions qui ne tiennent pas toujours compte de la violence conjugale, c'est un phénomène qu'on connaît, hein, une décision d'interdiction de contact dans le domaine criminel et en droit de la famille, bien plutôt des décisions qui vont privilégier les contacts avec les enfants, entre l'auteur de violence et les enfants. Donc, même si donc c'est une situation qui semble encore présente sur le terrain. Donc, voilà pour les recommandations. Dans notre projet, comme Geneviève nous en a mentionné, on s'était engagé à expérimenter un modèle de concertation en situation de co-occurrence. Ce modèle-là avait été développé à l'origine pour des situations de violence conjugale et de maltraitance. Donc, nous avons expérimenté dans des situations, au fond, où il y avait, outre ces deux problématiques-là, les deux autres problématiques d'intérêt, soit les problèmes de consommation et les problèmes de santé mentale.
Donc, ce modèle de concertation fonctionne selon deux principales modalités. Donc, une première modalité est la rencontre comme telle de concertation. Donc, cette rencontre de concertation se fait avec le consentement des pères et des mères. Les intervenants, donc, vont se rencontrer. On va avoir au moins trois intervenants de différents organismes ou établissements, au moins deux secteurs d'expertise différents. Et dans le cas où il manque une expertise, mais c'est possible que un intervenant qui n'est pas nécessairement au dossier soit présent pour participer aux échanges là, sur la situation et puisse donc représenter l'expertise en question. Cette modalité est animée par une ressource dite impartiale, c'est-à-dire une personne qui n'appartient pas à l'une ou l'autre des organisations présentes. La deuxième modalité, c'est plus une rencontre de consultation. C'est dans les cas où, pour des raisons de sécurité, il n'y aura pas un consentement de la part des pères et des mères pour à ce que la réunion se tienne. Donc, la discussion se fait tout en assurant donc la confidentialité des situations. Donc, dans ce cas-ci, il y a la personne, l'intervenant au dossier qui est présent et il échange avec des spécialistes, des experts au fond qui sont associés aux autres problématiques, qui peuvent témoigner donc des autres problématiques là, qui sont présente au dossier. Ici aussi, c'est une animation qui est faite par une ressource impartiale. Donc, dans ce cas, non seulement la personne fait l'animation, mais aussi organise les concertations cliniques, fait l'organisation, communique avec tout le monde, planifie la rencontre, etc. C'était quelque chose de très apprécié d'ailleurs par les participants. Donc, comme on le dit, il y a eu 9 rencontres cliniques, dont 4 concertations, c'est-à-dire avec consentement, et 5 consultations cliniques. Il y a eu au total 33 intervenants, donc 18 intervenants au dossier, 15 experts externes. On a fait une petite évaluation de cette expérimentation-là. On a documenté le niveau de satisfaction des intervenants, donc on a essayé de voir la pertinence pour eux des discussions pour leur pratique professionnelle. On a aussi questionné les intervenants sur la liberté d'expression, c'est-à-dire est-ce qu'ils se sentaient à l'aise d'émettre des idées lors de ces échanges-là. Le sentiment aussi que leur expertise et leurs compétences étaient respectées, reconnues dans le cadre de ces échanges-là, celles aussi des autres professionnels en présence et aussi sur l'ouverture finalement du groupe à entendre des opinions, des commentaires divergents. J'aborderai pas en détail les chiffres, mais on peut voir assez très clairement qu'il y a un taux de satisfaction très élevé pour chacun de ces indicateurs-là. On leur a demandé aussi, les participants aussi ont témoigné sur, au fond, la perception de l'impact de cette concertation-là, selon eux, pour leur pratique et pour les familles comme telles. Dans 94% des cas, les intervenants ont mentionné que la concertation avait permis d'améliorer l'intervention auprès des familles, justement pour une analyse plus complète, plus nuancée, des situations familiales, un travail mieux concerté et l'établissement d'un filet de sécurité là, plus adéquat. On leur a demandé si pour eux les discussions cliniques aussi avaient permis d'améliorer leur pratique. Et là, on a des témoignages d'intervenants impliqués dans ces concertations-là qui témoignent sur leur appréciation. Par exemple, un intervenant violence conjugale auprès des hommes nous dit ici que la présente, les rencontres justement ont permis de faire ressortir à quel point chaque instance travaille isolément, détient une partie de l'info liée
liée au suivi, ce qui ouvre la porte à du dédoublement, il y a des incohérences. Une médecin de famille trouve que, au fond, cette concertation-là amène une nouvelle vue sur des problèmes connus, permet de concerter des efforts, faire des plans communs. Une intervenante en violence auprès des femmes souligne que plusieurs propositions vont permettre d'améliorer sa pratique, donner des nouveaux outils pour améliorer les services. Et finalement, une intervenante en maltraitance répond que oui, cette concertation-là va permettre une approche qui va favoriser une meilleure prise en compte, une meilleure connaissance de la problématique. Voilà. Donc, pour conclure, quelques pistes de réflexion qui se dégagent de notre... Chantal? Oui? Oui? Est-ce que tu m'entends? On nous fait signe qu'on a terminé notre temps, mais on n'a pas moyen de communiquer avec toi, fait que je m'excuse de te couper. Ah oui, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? On ne m'entend plus. Pourtant, je m'entends ici. Oui. OK, on va s'arrêter. OK. On va donc s'arrêter pour la période de questions. Je pense que les gens ont les diapositives pour ce qui est de nos pistes de réflexion. On avait des recommandations pour la suite de la recherche aussi, puis pour une analyse plus sociale au lieu d'individualiser les problèmes là, que les personnes vivent. En disant c'est son problème de santé mentale ou c'est son problème de consommation, vraiment voir l'ensemble du contexte. C'est un peu notre conclusion là, que vous avez de toute manière dans les dernières diapositives. Fait que je pense qu'on est rendu à la période des questions. Oui, alors bon, je vois qu'il n'y a pas de questions du côté du web. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vais me déplacer. Moi, je vous poserais peut-être une question au niveau du... Vous avez mentionné dans les défis de collaboration entre les services, le manque de reconnaissance par les gestionnaires des tâches menant à la collaboration. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Qu'est-ce qui était énoncé là, par ces personnes? Les intervenants ont dit que depuis l'implantation de la loi 10, ça s'est rigidifié dans le contexte du milieu institutionnel. Et vous m'aiderez, les collègues là, qui sont présents aujourd'hui, c'était vraiment le contexte. Avant, il y avait des experts de contenu. Je ne sais pas si c'est je ne suis pas informée là, si dans chaque CIUS, il a été nommé des intervenants pivots, par exemple, en violence conjugale ou dans les milieux de violence conjugale, nommer des intervenants spécialisés plus dans les autres problématiques associées santé mentale ou dépendance, mais les intervenants sont comme un peu laissés à eux-mêmes. S'ils veulent se concerter, OK, mais c'est par-dessus le tas de ta tâche, puis on ne le compte pas dans tes heures de dégagement parce que tu dois rendre la même efficacité, sauf que ça prend du temps d'aller s'asseoir autour d'une table avec des intervenants au dossier. Mais pour les familles, c'est un bénéfice majeur parce qu'eux autres reçoivent de l'aide plus continue, plus cohérente. Déjà qui vivent beaucoup de difficultés, de problèmes associés. Si en plus les intervenants ne se parlent pas ou ne se concertent pas, puis si c'est des raisons qui sont organisationnelles, bien peut-être qu'il y a des solutions qu'on peut... dans le plan d'action, il y avait une mesure, la mesure 46, là, qui est pour favoriser la meilleure concertation, mais c'est sûr qu'il y a des conditions à penser au niveau pour actualiser cette mesure-là. Ça va prendre des dégagements réels de temps des intervenants, ça va prendre des intervenants pivots, peut-être même plus qu'un par CIUS, parce que les CIUS, c'est rendu bien, bien gros. Il y a beaucoup de secteurs là-dedans. Un par CIUS, ça veut dire que ça couvre les premières lignes, ça couvre la DPJ, ça couvre les secteurs en santé mentale. Puis, je n'ai pas l'accès des intervenants à cette personne ressource. Fait que ça faisait partie des recommandations qu'on a faites aussi dans le cadre du projet Un mémoire, là, qui a été soumis au gouvernement pour expliquer un petit peu plus en détail. Mais votre question est très pertinente. Ouais. Est-ce que je pourrais intervenir pour répondre à la question? J'ajouterais aussi que les co-occurrences, violences conjugales, maltraitance et autres problèmes parentaux impliquent justement de travailler, que deux univers d'intervention qui se sont pas toujours parlé travaillent ensemble, c'est-à-dire le secteur des enfants et des jeunes en difficulté et le secteur adulte en difficulté. Donc ça, c'est quelque chose qui
Ce sont des liens qui sont à établir. Espérons que l'avènement justement des CIUS, par exemple, qui visent l'intégration des interventions, vont aussi inclure dans l'idée d'intégration ces liens entre les secteurs adultes et enfants. Alors, j'ai une question dans la salle. Je me dirige. Merci de votre patience. Bonjour, moi je m'appelle... Est-ce que ça marche? Ça marche, oui. Bon, je m'appelle Julie Garon, je suis de la Société d'habitation du Québec. J'avais une question concernant les prémices de votre recherche. Vous dites qu'il y a beaucoup de personnes dans votre échantillon. La majorité des gens des familles sont en grande difficulté, j'imagine socio-économique, là, de manière générale. On entend souvent que la violence, c'est dans tous les milieux, puis c'est toutes les classes sociales, puis tout ça. Est-ce que c'est le fait qu'il y a un signalement à la DPJ? Qu'est-ce qui fait que dans votre échantillon, c'est majoritairement des familles en grande difficulté? Puis quel impact ça peut avoir pour l'accès aux services, la concentration, l'influence que ça peut avoir pour d'autres types de familles? Bien, premièrement, je pense que vous avez raison de dire que la violence conjugale, c'est pas juste dans les classes défavorisées. Par contre, quand on arrive au cumul de problèmes, là, peut-être qu'on a affaire à... Parce qu'on sait très bien qu'en général, nonobstant le sujet dont on parle aujourd'hui, en général, les familles de la DPJ sont des familles qui sont plus pauvres que la moyenne des familles du Québec quand on regarde dans un échantillon populationnel. C'est pas qu'ils sont plus violents, c'est plus qu'ils ont peut-être moins de moyens pour aller chercher de l'aide. Là. Puis c'est vrai aussi des situations de co-occurrence. On a vu, il y avait une similitude au niveau des échantillons populationnels et cliniques dans le volet 1 pour ce qui est des taux de co-occurrence, donc 1 sur 2. Mais quand on regardait les trois co-occurrences en même temps, bon, ben là, ça, c'était plus dans l'échantillon la DPJ qu'on les retrouvait. Puis ça va aussi avec le sens de votre question. Les problèmes viennent souvent aussi. Une personne qui consomme beaucoup, ben, elle va dilapider son argent dans la consommation ou elle était déjà en difficulté financière. Puis en mode de survie, la consommation arrive là-dedans. Donc, c'est pas pour dire, c'est pas un présupposé que nous, on a pensé que seulement les familles vulnérables vont avoir des co-occurrences, mais qu'ils se retrouvent plus dans les services, ça se peut. Puis, on fait pas beaucoup de recherches avec les services privés, on devrait, parce que peut-être qu'il y en a qui ont ces triples co-occurrences-là, puis qui vont chercher des psychologues privés ou des thérapies, mais nous, nos familles qu'on a rencontrées sont recrutées par les organismes communautaires et institutionnels et pour avoir des services gratuits, puis ils disent qu'ils ont la difficulté à se payer justement des thérapies pour régler leurs problèmes associés. Je ne sais pas si les collègues voulaient rajouter, si ça répond à votre question. Ben ça, j'ajouterais peut-être... J'ajouterais que, même un peu comme tu l'as dit, même en allant, en examinant les co-occurrences dans la population en général, ce qu'on se rend compte, c'est que le cumul de problématiques entraîne souvent un contexte et est souvent lié à un contexte de vulnérabilité. Donc, il y a vraiment des liens entre plus on a de problématiques, plus on est dans un contexte. Un contexte difficile, donc la co-occurrence est un symptôme de lourdeur d'un profil plus complexe. Donc, c'est normal que ce qu'on a trouvé, que ce soit dans les services ou dans la population générale, nous reflète cette réalité-là. Bon, alors on n'a pas de questions en web. Est-ce qu'on a une question dans la salle? Bien, écoutez, je vous remercie infiniment. Je vais inviter Mme Vézina du ministère de la Santé et des Services sociaux pour quelques minutes pour un mot de clôture de cette rencontre d'aujourd'hui. Ah, vous pouvez rester, je vais vous céder ma place. Ah, OK. Alors, je vais être brève étant donné qu'on a dépassé le temps, mais je tenais quand même à remercier les chercheurs et leur équipe qui se sont donnés à fond pour réaliser leurs recherches et qui ont apporté beaucoup d'éléments de réflexion qui peuvent toucher différents aspects, que ce soit au niveau de
des interventions préventives, curatives ou sur des pistes à peut-être approfondir plus tard dans d'autres étapes. Je veux aussi remercier le personnel du fonds de recherche pour cette journée, là, pour avoir tout organisé cette journée, puis avec qui on collabore pour justement pouvoir poursuivre des recherches dans le domaine de la violence conjugale. Le ministère de la Santé a le souci de se baser sur des données probantes et réunir l'expertise nécessaire pour venir appuyer des prises de décision, que ce soit pour améliorer la prestation de services ou des modes d'organisation. On en a eu des exemples aujourd'hui. Alors, le développement et le transfert des connaissances par le soutien à la recherche demeurent nécessaires et essentiels pour que nous puissions approfondir notre compréhension de divers aspects et enjeux de la violence. Parce que même si la violence conjugale fait l'objet d'études et de recherches depuis de nombreuses années, on sait qu'il y a des besoins de développement pour des réalités nouvelles qui se développent. On a parlé tout à l'heure de cyberviolence. On parle aussi de clientèles qui ont des besoins particuliers. Et autant le milieu de la pratique que le milieu de la recherche, je pense qu'on est orienté sur continuer à approfondir des questions de recherche. Les trois présentations qu'on a eues cet après-midi, puis là, je les résumerai pas parce qu'on manque de temps, mais je trouve qu'elles ont amené des aspects intéressants et très variés. Toute la question de post-séparation, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Et dans le plan d'action, je vais toujours faire référence au plan d'action, mais c'est parce que c'est ma Bible. Il y a plusieurs actions qui témoignent d'actions qu'on veut faire pour justement essayer de trouver des solutions. On sait que les homicides sont souvent commis dans ces contextes. Et puis, je trouve ça intéressant et j'encourage beaucoup la poursuite de ces ateliers qui se donnent. La cyberviolence aussi, c'est quelque chose qui nous préoccupe de plus en plus. On en entend parler, surtout quand on parle des jeunes, mais je pense qu'il faut en parler auprès de tout le monde. Ça nous rafraîchissait d'entendre des affaires, des nouvelles technologies, là, pour qu'on se mette up-to-date dans ces domaines-là. Et puis, la co-occurrence des problématiques, ça, c'est un enjeu hyper important. J'entendais toutes les pistes de solutions ou des pistes d'intervention qu'il fallait faire. Je me disais, oh mon Dieu, on a encore du travail à faire, mais j'ai trouvé intéressant quand même de l'aborder sous l'angle de la parentalité, du rôle parental, comment les mères et les pères peuvent sentir l'effet qu'ils ont sur la famille au complet dans ce contexte-là. Ça peut être une avenue pour étudier ça encore, mais je sais qu'il y a encore, puis je suis certaine que vous allez développer d'autres choses, surtout avec la subvention de Canada que vous venez d'avoir, là, on pourrait voir de quelle façon le volet 3 pourrait... Ah! On se parle au téléphone, je pense, hein, ces prochaines semaines. Mais c'est tout ça pour dire que, dans le fond, il y a encore peut-être des choses à faire, mais ce que je trouve super important dans une activité comme cet après-midi, c'est que le transfert des connaissances est un élément important quand on fait des recherches. Et le fait que ça soit public, qu'on puisse les écouter par après, que les documents vont être disponibles sur Internet et puis qu'on pourra s'appuyer sur ce qui est sorti dans le cadre de vos recherches cet après-midi et des autres recherches qu'on a eues dans le dernier plan d'action là, qu'on a sollicité. Je pense qu'on va pouvoir s'appuyer sur les résultats qu'on a. Et vous savez que dans le plan d'action 18-23, on a une mesure qui s'appelle la mesure 50, que je vous inviterai à lire parce que on va poursuivre la recherche au cours des... Vous aurez les détails plus tard, mais on se mobilise pour poursuivre la recherche parce qu'on trouve ça essentiel. On peut pas arrêter ça là. Il y a trop de choses encore à découvrir. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Merci pour votre présence ce vendredi après-midi. Il est 5h20. Merci, Mme Vézina. Alors, je veux juste rappeler que les rapports de recherche sont disponibles dans le site web du FRQSC, très important, et que, évidemment, très bientôt, on vous enverra un lien pour avoir accès à la captation vidéo que je vous invite à faire circuler, une autre manière de diffuser l'information. Voilà, on verra pour la page Facebook. Et peut-être que la capsule là, qui a été présentée, capsule web, là, on s'arrangera pour qu'il y ait un lien aussi maintenant à cette capsule-là. Merci infiniment. Merci.